Il est temps, effectivement, qu'on parle de la RDC. Il est temps qu'on regarde comment le pays évolue dans une démocratie. Anticorruption veut dire lutte contre ce qui détourne. Est-ce que l'IDP, c'est contre la corruption? Est-ce que l'IGF fait bande à part? Qui soutient le président Fachi dans cet environnement où les léopards perdent, ou presque? Tout le monde se pose des questions. Il veut nous enliser dans un engrenage fatal. Au Congo, je regrette beaucoup, nous n'avons pas des âmes d'État ou des hommes d'État. Même si on prend le sein des saints, un jour il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour dire que ce n'était pas la bonne personne. Vous jouez avec le prérogatives de l'État, hein? Oui. L'argent est sorti par qui? On l'a donné à qui? Kabila n'a jamais pleuré au nom des Mobutu, ni les pères, ni les filles. Est-ce qu'on ne peut pas avancer dans ce pays? À qui la faute? Bienvenue à tous, merci, merci de la fidélité. Je suis énormément content, pour ne pas dire très content, de vous retrouver parce que la semaine dernière, nous étions en dehors du pays et dès là, nous avons senti effectivement la passion du Congo, l'amour que vous nous portez également à cette émission, à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Luanda, partout où on est passé, on ne parle que de cette messe de samedi soir et de ce journaliste de Kinshasa qui vous apporte beaucoup de précisions, pour ne pas dire des commentaires à jour, hein, les journalistes d'ici. Vraiment, mille merci à tous ceux qui nous ont réservé un accueil chaleureux à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Luanda. Merci à vous. Et nous retrouvons effectivement nos studios de Kinshasa pour vous tenir au courant de comment marche ce pays, la RDC, pourquoi pas le monde, avec ces sujets, l'étendue corruption, IGF. C'est l'inspection générale des finances et l'IDPES qui des deux soutient effectivement le président Tshisekedi. C'est la question fondamentale parce que polémique sur polémique, il y a un ministre en charge de l'enseignement primaire et secondaire qui est dans le collimateur et comme l'autre fois, l'autre ministre qui était lui à la santé. Jusque-là, la justice ne s'est pas encore préoccupée de la chose. L'autre ministre de l'économie est aussi dans les collimataires des députés, ça va faire beaucoup de débats aujourd'hui. Les incontournables sont déjà en place. D'abord, l'homme qui est juste à ma droite, à votre gauche, à la télévision, qui s'appelle... voilà, il sourit tout seul. Kaninda. Je ne sais pas s'il a évolué entre-temps, parce que lorsqu'il prend la parole, son cœur bat quelque part. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. C'est vrai que le samedi dernier, nous avons raté la messe. Mais bon, qu'à cela ne tienne, nous sommes là pour les félicitations à vous. Hein. Il y a des dames à Pointe-Noire qui m'ont dit, le monsieur Claire là, qui est souvent à votre côté, il défend énormément le président Fachi. Il occupe quel poste? Vous avez un poste, monsieur? Je n'ai aucun poste, mais nous servons la nation là où nous sommes. C'est le plus important. Vous étiez aux côtés du président Kabila, vous n'aviez pas de poste, à ce que je sache. Aux côtés du Congo, j'étais. Voilà, c'est la même réalité aujourd'hui. Parce que si nous nous disons que nous sommes amis du changement, nous pouvons travailler où que nous soyons. C'est d'ailleurs l'idéal, que chaque Congolais, là où il est, il puisse travailler pour l'avènement du changement dans ce pays. Le rêve de tous les Congolais. Merci beaucoup. En face de vous, je ne sais pas, lui, c'est l'ami du Congo ou proche. Le nouveau patron, comme ça je l'appelle, le nouveau patron. Izouba Edmond. Bienvenue. Merci, merci beaucoup, Jean-Marie. Je suis. Est-ce que vous allez bien d'abord? Oui, très après bien. La défaite, presque, je mets toujours presque entre guillemets, de léopard, chez nous. Bon, moi en tout cas, c'est parmi le défaite de léopard qui. Ne m'ont pas envahi, qui n'a pas envahi mon cœur ni mon corps. J'étais tranquille. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que les bonnes choses vont se dérouler au Maroc. J'accorde encore beaucoup de chance à cette équipe qui avait bien joué et l'engagement de certains joueurs comme celui qu'on appelle communément Soso. Là, il met son cœur, il met son corps. Et il se bat pour la nation. Et je me dis, si tous les joueurs congolais ou qui jouent chez nous dans plusieurs disciplines avaient le même engagement, je pense que la RDC ne perdra plus jamais aucun match. Donc là,
c'est un jeune joueur qui joue d'ailleurs chez les Marocains. Oui. Mais qui vient, qui fait la différence entre ceux qui jouent dans de prestigieux championnats européens. Mais lui, en tout cas, il s'est fait remarquer par ses passes et il a à un moment créé un surnombre. Vous le voyez en attaque, vous le voyez en défense. On ne sait pas le situer. Mais c'est des joueurs comme ça avec un tel poumon, on n'en a pas connu assez. Donc, coup de chapeau à Soso. Et une très jolie prestation il a donnée aux Congolais, à ses compatriotes et à d'autres joueurs, surtout ceux qui étaient pour la première fois pour eux de jouer pour le compte de Léopard. En tout cas, à ceux-là, nous disons également merci. Mais j'en profite parce que vous dites que vous étiez à l'extérieur du pays. J'étais en train de discuter, je crois, avec Dionite avant le début de cette émission, c'est-à-dire... Aujourd'hui, la diplomatie appliquée par le président de la République permet à ce que le ministre, et pratiquement dans tous les secteurs, puisse bouger, aller vers l'extérieur pour tenter, tant soit peu, vendre l'image du pays. Mais il serait aussi profitable pour la RDC que nous aussi, nous puissions recevoir les autres. Parce mais est-ce que vous êtes la à diplomatie, Dubaï, ce n'est pas seulement le fait vous commencez à nous vendre la diplomatie. Là. Vous étiez à Dubaï? Je n'étais pas à Dubaï, mais j'ai été bien outillé en images comme en information par les confrères et les consoeurs qui étaient sur place, sur les murs d'Élysée Oudia. Je voyais les images sur les murs, par exemple. On a vendu quoi à Dubaï? Bon, j'ai vu qu'il y avait la volonté manifeste de vendre la rumba. Il y avait même, On a vendu à qui? Parce que j'ai vu nos artistes parler en Lingala. Non, moi j'ai vu. On a déplacé Kimpons à Dubaï. Oui, j'ai vu qu'il y avait des tentes réservées pour la rumba. En tout cas, ça c'était une particularité. Oui. Mais vous avez la culture. À notre stand, on a vendu quoi à notre stand? Non, il y avait nos œuvres d'art, il y avait la rumba, il y avait de la musique, il y avait des concerts. Et quand vous regardez les images, le plein qu'il y avait, il n'y avait pas que des Congolais. Est-ce que le Congolais pouvait faire un nombre pléthore comme ça? Je ne pense pas. Il y a eu beaucoup d'étrangers qui étaient là, plus ou moins 80 pays, donc qui étaient sur place à Merci Dubaï. Beaucoup. Nous avions eu la Merci chance beaucoup. De suivre la prestation en direct à la RTNC. Un bon travail aussi. Donc j'ai dit que dans l'avenir, il faut imaginer comment faire venir un grand nombre de visiteurs, pourquoi pas de chefs d'État, ce qui est impossible pour le moment. Mais que vient dormir, monsieur? Voilà, justement, donc c'est pratiquement impossible. J'ai vu qu'on a vendu un projet de construction. On a reporté les yeux parce qu'on n'a pas où faire dormir les équipes. Hein. Justement, maintenant, on est en train de construire. Maintenant, moi, je parle particulièrement du chef d'État et de leur délégation. J'ai vu qu'on a vendu également un projet, Fatih Cité, qui... doit être placé ici à Kinshasa, des immeubles, des gratte-ciels. Oh. Je crois l'emplacement, on parlait de Kankokolo. Donc c'est et là on va déplacer Kankokolo. On va certainement, c'est déjà un plan qui a été prévu par le gouvernement. Qui commence on doit délocaliser, mais avant de délocaliser, je pense on doit d'abord construire pour mais les qui militaires. Commence on doit d'abord construire pour les militaires. Oui. Et quand, après avoir terminé, construire pour les militaires. Est-ce qu'on peut en même temps construire cette cité au camp Kokolo et construire le ministère de la Défense à côté? Parce que les travaux du ministère de la Défense sont juste en cours. Hein, oui, le ministère, c'est une administration. Mais qui va rester à côté nous de sommes, nous sommes restés la seule ville où vous vous promenez, vous voyez les militaires munis de leurs armes à feu. Ça n'existait pas dans d'autres cieux. Donc, il faut davantage repousser les camps qui sont en plein centre-ville et les ramener aux entrées de chaque province. Donc merci ça, beaucoup. Ça c'était juste pour vous accueillir. Merci beaucoup. Laissez-moi accueillir aussi celui qui nous a un peu délesté depuis un certain temps, qui s'appelle Joël Kadendanga. Doctorant. Bonjour. Bienvenue. Merci. En trois pièces. C'est pour cette raison que je suis venu, c'est parce que c'était pour m'excuser auprès des téléspectateurs. Mais sinon... Pourquoi vous avez délesté cette messe qui est tant adulée, tant... suivi à travers le non, monde. Non, il arrivait toujours, soit que j'étais en déplacement comme vous,
ou soit que j'étais malade. Comme aujourd'hui particulièrement, j'ai des petits soucis de santé. Non, vous n'êtes pas malade. Regardez votre santé. Regardez comment vous êtes. Non. Si on va nous faire la maladie. Non, mais l'attention. Non, l'attention. Vous pouvez prélever, vous allez constater. Diminuer que... la bière. Non, je ne prends pas la bière. Ne nous faites pas les maladies d'une semaine, hein, monsieur. Hein? Non, mais si je voulais placer un peu un mot par rapport à l'équipe nationale hier. Oui. Les Camerounais ont perdu chez eux. Les Sénégalais, tout comme les grandes nations footballistiques. Mm-hmm. Mais je suis en train de regretter le degré de nuisance qu'a atteint le Congolais. C'est-à-dire ? Donc le désamour pour son pays, la haine pour son propre pays. Ça date d'aujourd'hui ? Non, j'ai vu les commentaires sur le garçon qui a marqué le but, dont je connais personnellement la famille. Oui, ça. Il est né en France. Mais quelqu'un qui quitte de chez lui pour venir jouer chez lui, vous devriez fabriquer des histoires sur cette personne-là. Et puis vous êtes assis dans votre petite boîte et vous montez un truc et vous balancez dans les réseaux sociaux. Il faut voir comment est-ce qu'on tire sur le président de la République. Vous avez un président aussi naturel. Nous avons eu Joseph Kabila ici. On n'a jamais vu quand est-ce qu'il est content, quand est-ce qu'il pleure. Mais ici, vous avez quelqu'un de naturel. Quand on marque le but, il se lève. Comme Kaboulo, malheureusement, avec ses commentaires étriqués et désorienté, il dit Babouane, Zambouane. Mais c'est mieux quand même que vous ayez quelqu'un. Juste à ce point-là. Oui. J'interdis à ceux qui vont au stade, aux côtés de notre président, de l'embrasser, de l'enlacer. Non, monsieur. Ça, c'est une insécurité totale. Monsieur, j'interdis que vous soyez chef des institutions. Le président de la République n'est pas votre ami. Si vous, il vous manifeste sa joie, ne venez pas l'enlacer. Mention spéciale à notre président de l'Assemblée, Mbosso. Mention spéciale à notre président du Sénat, Bahati. Et ceux qui sont autour, y compris le ministre. Mais lui-même, Vital Kamerhe en a payé le prix. Avec cette affaire d'embrasser le président, de l'enlacer. Le président, ce n'est pas votre ami. Même s'il est content, s'il veut manifester sa joie, n'allez pas l'embrasser. Fermez les guillemets. Oui, c'est là également où je dois... Les gens, si, tel que vous êtes là, en dehors de ce cadre, vous êtes un grand frère. Mais je ne peux pas profiter de la sympathie que vous me témoignez pour vous piétiner sur le pied. À un moment donné, les gens devraient également connaître leurs limites. Particulièrement ceux avec qui vous avez vécu dans votre enfance ou dans votre jeunesse. C'est la faute au protocole, n'est-ce pas? Écoutez, c'est ce que je dis, c'est pourquoi nous le condamnons sur ce plateau. Autant que je condamne la haine, ce degré de nuisance, tu fabriques, tu montes un mensonge, tu le partages dans les réseaux sociaux contre un jeune homme qui a accepté de venir. En tout cas, jeune homme, moi, tu as mon soutien, mes très sincères félicitations, et va beaucoup plus loin d'ailleurs, porte notre équipe. J'attends que tu nous offres encore 3 autres buts. Et c'est à propos encore. J'ai suivi Eddie Ngwe. Dire qu'on allait gagner. D'abord, il a dit qu'on allait perdre. Oui. Et il était en colère contre les institutions, soi-disant. Il a été remercié en monnaie des singes. 2 jours après, il repasse avec la même journaliste ou le même intervieweur pour nous dire qu'on va gagner cette fois-ci et qu'il aurait touché, je mets en conditionnel, une certaine somme de la part, je ne sais pas de qui. Maintenant qu'on a perdu, est-ce qu'on va faire... Il peut restituer, en principe, il devrait restituer. Et vous voyez, je demande à l'IGF de suivre un peu cette affaire, parce que les journalistes qui font du bon travail, on ne les donne pas autant, mais on donne à Eddie Ngwe, d'abord qui nous fait perdre, ensuite on ne sait pas d'où est venu cet argent. Vous envoyez l'IGF là-bas. Bon, ça, c'est pratiquement, c'est pratiquement, Jean-Marie, c'est pratiquement l'image du Congolais aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire pour son propre intérêt. Donc il peut vouloir que l'équipe échoue. Donc il peut accepter que tout le monde soit en train de pleurer pendant que lui rentre chez lui à Matete en train de rire. Et on lui remet de l'argent. Vous avez compté déjà à Matete. Il n'habite pas Matete. Il dit qu'il habite Matete. Oui. Donc vous réalisez le degré. Donc l'autosatisfaction pour soi et non pour le pays. Nombrilisme, on appelle. Or, vous pouvez, à un certain niveau, vous mettez tous vos fétiches, les églises, musulmans, maraboutages, tout, vous mettez au service de la réussite du pays. Et puis, je suis un peu en colère. Et vos pasteurs qui font souvent des prophéties, j'ai vu, et ils peuvent bénir également. Pourquoi ils n'ont pas béni ce match? Pourquoi ils n'ont pas vu qu'on allait perdre? Au lieu de dire que j'ai vu que tel candidat va mourir,
avant 2023. Non, mais il faut vos faire... pasteurs là. Non, non, il faut faire très attention avec ces pasteurs là. Il a profité sur le départ de Tambo Mamba et de Madame oui. Mabunda. Et ils sont partis. Oui. Et il avait donné 6 mois. Et au bout de 6 mois, les deux personnes qui empêchaient Tshisekedi de décoller la voiture RDC avaient quitté. Les institutions. Et depuis, la voiture a décollé. La voiture enfin, a décollé. Ou a démarré. Bienvenue, monsieur John Lungi, là. L'homme qu'on a failli enlever hier. Enfin, avant-hier, n'est-ce pas? C'était hier. Alors, vous qui tentez toujours d'inquiéter les journalistes, nous vous avons dans la ligne de mire. Monsieur Lungi, là, ne fait que donner l'information, ne fait que faire des analyses. Il tweet lorsqu'il constate. Alors, si vous êtes commandité ou plutôt envoyé par on ne sait qui, évitez, parce que quand on va tomber sur le monsieur qui vous a envoyé, il va avoir les foudres de la presse. Bienvenue, monsieur. Merci beaucoup. Bon retour à vous, parce que vous n'étiez pas présent. Oui. Je saisis l'opportunité pour vous encourager, parce que dans notre groupe WhatsApp de l'UNPC, j'ai eu comme l'impression que vous étiez déçu de l'absence ou du manque de la mobilisation de la presse autour des obsèques de notre papa Koko, ma mingue. Guillaume Koko, oui. Et je sais que vous avez fait votre part et j'ai saisi cette opportunité pour dire à tout le monde qu'on n'a pas eu tort de décider sur votre reconduction. Et on constate que le soutien ne vient toujours pas parce qu'on est président de l'UNPC, oui, mais il faut que le journaliste cotise, il faut que le journaliste s'implique pour espérer les résultats. Et je pense que vous avez fait votre part. Je vous soutiens et vous demande de continuer avec ces cœurs de servir les autres, quand même que les autres sont dans une posture de vous combattre. Merci beaucoup. Permettez, Jean-Marie, je voudrais ajouter un seul élément là-dessus. Koko a servi combien de gens dans ce pays? Fois ça a servi combien de gens dans ce pays? Surtout dans hier, d'ailleurs, on était même prêt à attendre quand Kaboulo disait... Ce n'est pas possible qu'il le répète. Mais je n'ai vu aucun membre du gouvernement. Si vous arrêtez là, je vois ça. Il avait fallu que ça ait été un musicien ou un comédien, un artiste. Je ne suis pas contre les musiciens. Oui. Je ne suis pas contre nos artistes musiciens. Vous alliez voir comment tout le monde allait se mobiliser pour avoir la caméra de la RTNC là, alors braquée sur lui. Je crois qu'il y a lieu que l'on puisse... Et aujourd'hui, je n'ai vu aucun membre du gouvernement... En exercice. Aucun député, sauf Geneviève Olinagosi qui était là, et Lambert Mende. Mais je n'ai pas vu les sénateurs, je n'ai pas vu les pasteurs, je n'ai pas vu les artistes, je n'ai vu personne. Alors que ce monsieur Koko a fait les éditoriaux, a été dans les cabinets ministériels, était directeur des infos sur la chaîne nationale. Alors, vous qui souvent nous flattez, nous flatter plutôt, avec des phrases du genre « notre ami », etc. Et aujourd'hui, quand les journalistes partent, vous restez chez vous et vous attendez seulement quand il y a un officiel ou quelqu'un qui perd une vieille tante et vous allez venir avec vos belles voitures et beaucoup de cotisations. On prend note également. En tout cas, lui, il est parti, il a servi la nation. C'est bien l'ingratitude de la nation congolaise, mais on a l'habitude. Charles Guincanco, tout va bien? Oui, ça va. Vous êtes frais, vous? Frais? Oui. Tout frais. Merci. Content ou pas content de la République? Bon, je suis un peu éclaté. Éclaté? Je dois d'abord dire que, comme les autres confrères l'ont eu à le dire ici, coup de chapeau au Léopard, prestation XXL. Coup de chapeau. Une très belle prestation. Il y a eu combien de possibilités de marquer de but? On n'a pas marqué. On a été mené dès la première mi-temps, mais tout le reste du temps... Je ne m'attendais pas à ce que le Léopard nous livre un tel spectacle. J'étais dubitatif. Lorsque les 15 premières minutes ont commencé, j'ai vu les Léopards hésitant et c'était presque la domination de l'équipe marocaine. Mais après 15 minutes, j'ai vu cette équipe des Léopards répandre du poil de la bête, commencer à mener le jeu et
je peux ici dire que l'arbitrage a posé quelques petits soucis. C'est-à-dire, moi oui, j'ai suivi l'arbitrage. Féliciter cet arbitre. Oh. Bon, non, écoutez, sanction imposée à Muzinga, des cartons jaunes, finalement expulsés parce que les cartons rouges étaient bandits. Je ne voyais pas comment cet arbitre pouvait quand même être aussi sévère envers ces léopards. Alors qu'il y a eu beaucoup de bêtises, beaucoup de fautes du côté marocain qui n'étaient pas sanctionnées par l'arbitre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, hormis cette prestation XXL, je dois quand même égratigner un peu Hector Cooper par rapport au changement, oui. Qu'est-ce qu'il a fait l'entraîneur? Il a fait quoi? Il a sorti un joueur pour faire entrer Bolasier qui n'a rien apporté. Bolasier n'a rien apporté. Et malheureusement, le but est arrivé aussi sur la faute de Bolasier. Donc, il doit quand même revoir un peu sa copie. Et il y a un autre joueur à nous, là, qui est un peu vieux, là, maintenant, qu'il faut mais vraiment, pourquoi on le garde encore? Non, Mbokani n'est pas... Vous avez vu le but qu'il a raté? Oui, c'est vrai qu'on a raté trois occasions franches. Et ces occasions-là étaient vraiment des presque buts. En ce moment, ici, on aurait tenu un autre discours. Mais malheureusement, la chance n'a pas été de notre côté. Mais je constate qu'il y a des marabouts qui ont échoué parce qu'ils avaient fait des pronostics. Et Dingwe avait dit qu'on doit... que les léopards allaient courber les Chines devant le Maroc. Oui. Malheureusement, ou heureusement, que ça n'a pas été le cas. Il y a aussi ces fameux marabouts, ces fameux Sénégalais ouest-africains qui avaient dit que la RDC va perdre 2-0 face au Maroc. Donc, ça démontre clairement que ces gens-là sont aussi des menteurs. Mais félicitations à Moukoko Amalé, qui, selon moi, c'était lui l'homme du match. Merci beaucoup. Avant qu'on puisse entrer dans notre débat du jour, la lutte anticorruption, IGF et IDPS qui soutient réellement Fati. J'aimerais mon petit biscuit aujourd'hui, c'est mention spéciale à M. Richard Okissi, qui a été nommé par le président Tshisekedi, notre consul honoraire à Pointe-Noire. Il va défendre les intérêts de la RDC désormais, accueille exceptionnel de la délégation venue du Congo Kinshasa, avec à sa tête le vice-ministre des Affaires étrangères, avec le doyen Kankonde Gilbert, ancien vice-premier ministre en charge de l'intérieur, le ministre Kita, mais également, il faut le dire, notre ambassadeur au Congo, Christophe Muzungu. Je pense que ça va réellement bien se passer avec ces consulats parce qu'il y a une forte communauté congolaise au Congo. Plus de 700 000 Congolais vivent à la fois Brazzaville, Kwilu, un peu partout à Pointe-Noire, même si dans cette communauté, d'après nos informations, beaucoup n'ont pas de papier et se livrent un peu à certaines actions qui ne sont pas conformes à la loi. Mais en tout cas, merci à la communauté qui nous a reçus, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et Richard Okissi aura tout notre soutien pour réussir sa mission pour défendre les intérêts à la fois économiques, culturels et politiques de la RDC dans cette zone. Jean-Marie, si je peux vous paraphraser, oui. Il y a aussi les amis de la diaspora, notamment nos compatriotes qui vivent à Milan, qui estiment là, c'est en Italie. Qui estiment qu'ils sont assez nombreux là-bas. Mais non seulement ça, mais il y a beaucoup d'opportunités. Et pourquoi aujourd'hui, la RDC... Mais on a l'ambassade On en a à Rome. À Rome. Mais Rome est quand même séparée de Milan. Bon, c'est un seul pays, mais sauf que Rome est un peu trop éloignée de Milan. Et ils estiment qu'avec leur opportunité qu'ils créent... Ça, vous intervenez auprès de Félix Tshisekedi pour un... Oui, parce que c'est un besoin. C'est un besoin, oui. Il faut créer un consul pour permettre... qu'il y ait des mouvements à partir de là-bas, au lieu que les gens quittent Milan pour rejoindre Rome. Donc ça va beaucoup faciliter. Christian Wesi, Ce qui doit être dit aussi concernant Congo-Brazzaville,
Comme le reste de notre diplomatie, nos ambassadeurs n'ont pas les moyens de faire la bonne diplomatie. Leurs 4 000 $ de salaire n'est pas toujours versé assez régulièrement. Ils n'ont pas de frais de fonctionnement. Les fessiers ne sont pas là. Et c'est un peu le lieu ici de rappeler que nos compatriotes qui sont partis là-bas, ex-phase, ex-élément de Jean-Pierre Bemba, moi j'en ai rencontré quelques-uns, ils ont envie de revenir chez nous. Ce sont nos militaires, même si certains sont déjà vieux. Il faut le faire revenir ici, ces militaires qui font maintenant le champ, qui se baladent là-bas, etc., avec leurs âmes, leurs enfants qui ont même grandi d'ailleurs. Il faut que notre ministre de la Défense, nos services d'intelligence, pensent à ces compatriotes, qu'ils reviennent chez nous. Ce sont nos compatriotes. Certains veulent rejoindre les rangs, d'autres veulent tout simplement revenir dans la vie courante. Allez, tout ceci est terminé comme apostrophe. On commence maintenant les débats et je vais poser la question beaucoup plus directement à Joël Kadé. IGF dit, le ministre des PST a utilisé abusivement l'argent lui confié pour cette manifestation avec les élèves. Il y a eu des détournements. Et on suit à travers les médias, y compris les réseaux, que le ministre dit, y compris le membre de son cabinet, que IGF ment. Mais jusque-là, ni la justice, ni l'IDPS, ni certaines autorités, personne ne se préoccupe de ces cas, sauf ceux qui font les commentaires. Il y a eu même d'ailleurs plainte de la société d'infographie qui a imprimé ces t-shirts, qui a reproché effectivement au cabinet du ministre d'avoir falsifié les factures à ce propos. Merci Jean-Marie. Qui soutient Félix Tshisekedi pour lutter contre les antivaleurs entre l'IGF et l'IDPS? Tony Mwamba, IDPS, IGF, président de la République. Merci d'abord pour l'invitation une fois de plus. Il y a lieu de faire cette petite mise au point avant que tu n'abordes le fond du sujet. S'il est des hommes même sur ce plateau, de ceux qui ont salué le travail mené par l'IGF, M. Jules Alinguété, je suis parmi eux. Et jusque le dimanche passé ici, j'étais parmi ceux qui ont accompagné ce travail jusqu'à ce jour. Vous parlez au passé maintenant? Oui, je parle au passé. Pourquoi? J'ai accompagné ce travail parce qu'il a permis qu'aujourd'hui, au lieu que le gouvernement revienne au niveau du Parlement pour réduire les recettes, c'était pour qu'on en augmente. Aujourd'hui, nous sommes à 10 milliards de dollars américains de notre budget. Oui, mais qui est où cet argent? N'arrêtez pas de... Mais il faut vous parler de l'argent. S'il vous plaît. Lorsque nous sommes endettés partout, d'ailleurs, le Congo Airways, on a récupéré les avions, on dit que c'est en faillite. Mais enfin, pourquoi vous parlez de l'argent alors qu'on n'en a pas? Il faut reconnaître qu'il y a eu l'argent qui est entré dans nos caisses de l'État. Oui, mais qui... C'est qui grâce, est... entre autres, oui, à l'IGF. Il faut saluer ce qu'il a recréé, que le président de la République a appelé une sorte de peur au ventre, oui, dans le chef de tout gestionnaire. Aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui peut se pointer sur un plateau de télévision ou bon, qui peut prendre l'argent de l'État comme ça et en abuser. Donc chacun, à quelque part là, lorsque l'argent arrive, il a développé une sorte de peur. Mais ce que j'ai reproché, c'est l'approche, c'est la démarche entreprise par l'IGF dans cette affaire où il a été établi noir sur blanc qu'il s'est agi d'un acharnement. Jean-Marie Kassamba, nous sommes au mois de novembre passé, je crois, ou octobre. L'IGF sort directement dans les médias, violant ainsi le principe de la présomption d'innocence consacré par le droit universellement. Il dit, M. Tony Mwamba a tenté de voler 16 millions de dollars américains pour les prestataires du TENAFEP. Quelques temps après, lors du briefing avec le ministre Muyaya, il dit, il avait d'abord appelé le ministre, il présente les excuses, il dit non, il y avait eu un problème d'approche. Mais maintenant pour le cas, le tout dernier cas ici, disons qu'il y a des petits soucis, des détournements de près de 400 000 dollars. Là où vous sentez qu'il y a l'intention de nuire, malheureusement nous sommes dans un pays où les gens ne veulent pas même d'abord réfléchir un peu pour comprendre ce qu'on dit, est-ce qu'il y a de la vérité ou est-ce qu'on a respecté la procédure, oui ou non. Le 18, le championnat est organisé.
L'IGF apprend qu'on va verser 400 000 dollars au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, qu'on va verser 1 900 000 dollars au ministère des Sports et Loisirs. L'IGF établit en avance même lors des missions pour qu'on mène les enquêtes au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. L'argent arrive à quelle heure? L'argent vous arrive à 21h juste. Et on vous demande d'amener les élèves au stade, 25 000 élèves, à 6h, parce que le chef de l'État devrait être là, et 6 autres chefs de l'État devraient être là, selon les informations parvenues. Donc il fallait mettre en place un mécanisme d'urgence pour amener les élèves. Bon, quand il dit qu'on a détourné 400 000, à l'absurde, faisons un saut dans le vide. C'est que le tournant n'a jamais été organisé. C'est que les bus n'étaient pas venus. Parce que l'IGF ne vous dit pas combien d'argent. Puis-je terminer, s'il vous plaît? Oui, vous allez continuer. Vous avez la parole, vous allez continuer. Transco dit, mes factures donnent tel montant. Le montant qu'on cite là, qu'on évoque, ce n'est pas le bon. Gradeco. Oui, c'est aussi partenaire de Télé 50. Ouais. Dit, on m'a commandé autant de t-shirts. Voici ma facture. La facture qui est brandie, ce n'est pas le bon. Oh, ce n'est pas la bonne. Qui ment? Des Transco, est-ce que Gradeco. Puis-je d'abord jeter les faits? Le commentaire est libre. Répondez juste après. Non, je ne saurais pas répondre par oui ou non. Je pose les faits. Le dimanche à 20h, le tournoi termine. À 8h, juste alors que les membres du comité d'organisation ne sont pas encore arrivés au cabinet, les inspecteurs sont déjà là. Le 16, l'IGF convoque les directeurs de cabinet, le conseil financier, le comptable et quelques conseillers du ministre. Ils descendent, ils arrivent là-bas à 8h. L'audition commence à 20h. Ce sont des méthodes qu'on n'a même pas connues non, du temps de Caleb. Non, monsieur, répondez à ma question. S'il vous plaît, je ne suis pas... Non, les non. Deux factures. Écoutez, c'est la justice. L'IGF ne qualifie pas les faits. L'IGF établit les faits. Il appartient au ministère public de qualifier les faits. Non, pas maintenant. Ce sont des principes généraux de droit. C'est-à-dire, l'IGF ne qualifie pas les faits pour dire que non, il y a eu des tournements, il y a eu... La seule personne qui peut qualifier les faits... Est-ce qu'il y a eu faux, usage de faux ou pas? Falsification. Mais qui doit établir le faux et usage de faux? C'est un magistrat, c'est le ministère public qui doit établir, qualifier les faits. L'IGF, vous faites votre travail. Monsieur Kanyinda, vous avez détourné. Vous venez, on vous entend. On prend les preuves, on annexe. On envoie chez le ministère public. Il lui appartient à lui seul, de qualifier les faits. Et qu'à ce niveau-là même... Ce n'est pas encore la fin, parce qu'il faut que le ministère public pourquoi apprenne. J'ai pu finir, j'ai pu finir. Vous allez continuer. Non, les étudiants nous apprennent. Oui, les étudiants apprennent. Oui. S'il vous plaît. C'est-à-dire, même à ce niveau-là du parquet, lui également n'a pas fini le travail. Parce qu'il doit déposer ce travail-là par devant la cour ou le tribunal. Il appartiendra au finish, au tribunal, soit de qualifier ces faits-là, soit de les requalifier, soit de les disqualifier. Je peux poser la question maintenant. Mais ici, vous sentez qu'il y a un problème. Je peux poser la question maintenant. Allez-y, je vais répondre. Vital Kamerhe, l'ancien ministre d'enseignement, comment il s'appelait, l'EPST? Willy Bakonga. Willy Bakonga. Ils ont été déjà condamnés alors qu'il était encore au BIC. 2 millions de dollars détournés. L'autre Kamerhe, autant de millions de dollars détournés. Il y a eu déjà ces confrontations de pièces. Et Joël Kadé, si présent, avait déjà déclaré Vital Kamerhe voleur. Je n'ai jamais traité Vital Kamerhe de voleur. Par contre, j'ai suivi le dossier à partir des investigations jusqu'à ce qu'il a été condamné. Et puis je vous dis, pour votre information, au niveau de cassation, on ne juge plus le fond. On va regarder juste la forme. Et ça, c'est un dossier établi. Concernant Bakonga, il est invité en justice. On apprend qu'il est à Brazza. Alors pour le cas Mouaba, dites-moi, en dehors du bruit dans les médias, et les médias qui insultent matin, midi, soir, Tshisekedi, que l'IGF finance, dites-moi qui vous a brandi ces faits-là, soit au niveau du parquet. Parce que le bruit que vous entendez, c'est... Les deux factures. Les deux factures. Les fournisseurs. Mais je vous dis ceci. Oui. Les factures-là, il appartient au seul magistrat d'établir qu'il s'agit d'un faux
et usage des faux. Clameur publique. Clameur publique, non. Clameur publique, c'est dans le cadre des infractions flagrantes ou récitées. Mais c'est flagrant, ça. Non, ici, il n'y a pas de flagrance. Facture contre facture. Il n'y a pas de flagrance. L'événement s'est déroulé depuis le 20 février. Merci. Et les enquêtes de l'IGF ont commencé le 21 Merci. À 8 heures. Et le 16, il a invité le directeur de cabinet pour les séquestrer chez lui. Enlevez le mot séquestré. Non, c'est une séquestration. Un député, un inspecteur peut interroger quelqu'un. Non, enlevez séquestré. Non, non, pas un inspecteur. Non, non, pas un inspecteur. Pas l'inspecteur de finances. Il est OPJ à compétence restreinte, Jean-Marie Kassamba. Je ne suis pas rentré à l'université pour rien. Merci beaucoup. Donc, il ne veut pas arrêter beaucoup. Quelqu'un. Et Izuba, il ne veut pas séquestrer quelqu'un. De l'IGF et de Tony Mwamba, qui ment? Merci beaucoup. Je voulais d'abord démentir une information. Laquelle? Selon laquelle certaines mauvaises langues disent ou prédisent de la mort de qui? De François Béat. Tout à l'heure, là, je venais de... Non, il n'est pas mort. Poser la question à une François Béat n'est pas mort, donc, mais j'ai vu, c'est malheureusement malade. Les gens ont partagé ses non, tweets non, non, dans il le groupe. Pas mort, c'est non malade. Moi, j'ai eu sa famille, y compris son frère, Freddy, comment il s'appelle, Freddy. Il n'est pas mort, François Béat. D'ailleurs, de l'Angola ou du Congo Brazzaville, d'où je viens, tout le monde est très inquiet là-bas. Oui. Il n'est pas mort du tout, mais son état de santé, parce que il a quand même un certain âge, et puis l'état dans lequel il est nécessite quand même qu'il soit relaxé. C'est un peu compliqué, mais il n'est pas mort, il est vivant. D'ailleurs, moi je plaide pour que son cas soit transféré auprès de ses juges naturels, enfin. Au lieu de continuer à le garder toujours en tôle à l'ANR, et surtout ces dossiers-là. Mais on avait dit que ces cachots devaient être fermés, non? Oui, mais je ne comprends pas. Apparemment, on a arrêté encore d'autres civils qui travaillent avec lui. Pourtant, nous parler d'un coup d'État, bon, enfin, c'est des civils qu'on a pris comme ça dans la foulée. On les a placés également là-bas. L'ANR, on nous a dit que les cachots devaient être fermés, mais c'est vraiment des cachots qui servent à détenir des gens pendant plus longtemps que prévu. Ce sont des délais légaux qui sont violés intempestivement pendant l'état des droits. C'est quand même grave. Mais du moins, pour une personne qui est malade, il mérite quand même d'être suivi par un médecin, mais aussi quelqu'un qui est victime de ce genre de violations de droits humains. J'ai lu Georges Kapiamba qui demandait à ce que son dossier soit également. Il y a des mouvements qui se créent autour de ça et ça n'honore pas la République. C'est quelqu'un qui a travaillé avec Mobutu, il a travaillé avec Mouzé, Joseph Kabila. Je pense que quelque part, il a beaucoup donné pour ce pays. On ne peut pas l'humilier et jusqu'à ce point. Des mois bas et... La question est assez directe. Qui ment? C'est lui qui est toujours habitué à mentir. Habitué? Ouais. C'est lui qui est toujours habitué à mentir. Vous savez, deux factures, Transco et Gradeco. On y arrivera, Jean-Marie. Oui. Parce que j'ai vu que vous prenez plus ce qui est beaucoup plus vulgarisé dans le média. Non, mais parce que je dois rappeler que depuis que ces brouhahas ont commencé, Tony Mwamba n'a jamais parlé. Et pourtant, c'est lui qu'on inculpe dans tous les discours d'Alinguété. On l'insulte même. Et lui n'a jamais pris part dans une commission quelconque. J'ai vérifié les informations. Alors, on a même fait intervenir un directeur de cabinet, malheureusement, qui se trouve être un professeur de droit. On l'amène dans un dossier où il n'était même pas impliqué, mais pour qu'il soit, je dirais, détenu ou séquestré pendant longtemps. Séquestré. Donc oui, bah, lui-même a écrit, il a écrit à l'IGF, et la lettre a été envoyée au président de la République. Donc, il est professeur de droit, quand il dit séquestré, et lui-même, il comprend, il a été privé de ses mouvements. Et il dit, malheureusement, avant qu'il ne parte, qu'il quitte les locaux de l'IGF, et la personne qu'il voit en dernier, c'est lui-même l'IGF, qui lui dit, votre type cette fois-ci ne sortira pas. Pour moi, je connais ce professeur, je ne pense pas pour une lettre qui a été rendue publique qu'il peut mentir, même au président de la République, à qui la lettre est destinée. Est-ce que les factures ont été falsifiées ou pas? Non, Joël a parlé ici d'un règlement des comptes. Moi, j'aimerais qu'on parte sur ce base-là. Parce que nous, on a
entendu ce que la société Transco a dit à ce sujet. Cradeco aussi. On a entendu ce que Cradeco a dit. Oui. On a entendu aussi ce que l'IGF a dit. Oui. Voilà maintenant trois éléments. Mais que dit le ministre Tony Mwamba? Zéro. Pourquoi? Parce que c'est un homme de droit. Il sait que les dossiers sont en phase préjuridictionnelle. C'est imprudent de faire le show médiatique. Mais Izouba, lorsque les enquêtes auprès du ministère du Sport qui a reçu le fonds au même moment ont donné des résultats tout à fait positifs. Ça va, vous savez, hein, l'IGF. Et les mêmes enquêtes du côté de ministère de l'EPC donnent qu'il y a une malversation. Vous savez, l'IGF devait jouer un travail, je dirais, pédagogique. Les magistrats se plaignent beaucoup. De quoi? Des dossiers qui sont envoyés par l'IGF au parquet. On a tendance que lui, il a déjà fini tous les travaux et le magistrat est là pour sanctionner et condamner. Or, les magistrats sont aussi là pour enquêter les enquêtes judiciaires. Ce n'est pas par le show médiatique ou par la propagande que vous qualifiez les infractions abusivement. Mais ces inspecteurs de l'IGF, vous pensez qu'ils sont incompétents? Non, Jean-Marie, ces inspecteurs-là doivent être équipés de bons juristes. Mais il y a des juristes là-bas? Je suis d'accord qu'il y ait des juristes. Ce sont les inspecteurs formés à l'École nationale des finances. Il y en a qui sont de l'ENA. Oui, il y en a. Moi, j'ai visité ces gens. Il y en a même qui viennent de l'UPC, qui ont fait le droit. Qui sont sérieux. Que je respecte beaucoup. Oui, alors. Que malheureusement, qui n'y sont pas consultés par l'IGF. Quand je parle de l'IGF, je parle de Jules Alinguette. Mais Alinguette, il n'est que patron, ce n'est pas lui qui fait les enquêtes sur les terrains. C'est ça ce que je dis, Jean-Marie. Oui, alors? Ce n'est pas dans le dossier de l'EPST qu'il a déjà eu à changer de termes. Moi, je vous dis, je travaille dans le dossier de Tchilé-Gelou. On en est où aujourd'hui? C'est pas Alinguette qui a qualifié un détournement de 13 millions de dollars. On en est où? Quand il lui-même a vu tous les documents. On a les ouvrages. Quand lui-même a vu tous les documents. J'ai ces documents avec moi. On a les ouvrages chez les Gelou. Ouais, Jean-Marie, on n'en revient pas. On sait que Terre jaune, c'est 2 km, c'est terminé. Vous allez à Kitambo, vous voyez même les ouvrages sur quoi monte. Vous allez à Kassavu, vous voyez la route Makanza. Vous allez à Mbujimayi, la boucle Miba, qui est en train d'être complètement bétonnée. Je ne suis pas ici en train de parler de chimères. Ça dit, c'est un dossier que je maîtrise mieux. Vous allez à Kananga. Jean-Marie, moi je parle de choses que moi-même j'ai vues. Et je vous dis que IGF, ce n'est pas un homme en qui Fatih doit faire confiance. Je parle de IGF, il est inspecteur, oui, mais c'est général pas chef de service. Il a plus de 50 inspecteurs. Pourquoi? Parce que lui-même, il change de terme. Il a énervé, il a vraiment réussi à énerver une dame qu'on attend parler le moins, Adel Kaïnda. Et vous avez vu comment il s'est pointé devant Adel Kaïnda et il a présenté des excuses. Où ça? Dans les dossiers. Non, je parle d'Adel Kaïnda. Le dossier est très récent, Jean-Marie. Je parle encore de cette histoire avec Tony Mwamba. Et je pense que Tony Mwamba a beaucoup appris. Parce qu'avant, il a utilisé les mêmes armes que Alinguette avait utilisées. C'est lui qui a été humilié, c'était Alinguette, parce qu'il a dit que c'était un simple malentendu. Et aujourd'hui, il se rend compte que le fait de se livrer à un show médiatique du genre au PCO, Tindiba journaliste, pratiquement une équipe de propagandistes qui partent là-bas pour... Donc, il y a même des gens qui remplacent les travaux qui devaient être faits par les inspecteurs. Ils font les enquêtes orientées. Jean-Marie, vous êtes en train d'accompagner les tourneurs. En fait, le mal, c'est quoi au Congo? Oui. Au Congo, c'est celui qui dénonce qui a la priorité d'insulter l'autre. On parle ici des clameurs. On en est où avec les dossiers vitaux? Il a été insulté ici qu'il a détourné plus de 400 millions. Quand on a entendu le procès, c'était un autre chiffre. Et aujourd'hui, que reste-t-il encore de la condamnation de Vital? Monsieur le Président... Nous avons entendu ici Willy Bakonga et qu'on a pratiquement insulté. Oui, Jean-Marie, je suis sérieux. Parce que ici, il s'agit ici d'un ange qui est Alinguette. Quand il dit des propos, il parle de détournement. Il a freiné beaucoup de projets de pays. Hein. Le projet vraiment que le Premier ministre a déjà libéré
et les projets qui sont restés en souffrance parce que lui, il devait prendre l'argent là-bas, retourner au trésor public. Le projet Tu les Jeux dont on a parlé. Vous savez combien de projets inachevés? Le projet Tu les Jeux dont on a parlé. Vous savez combien il y a des projets inachevés? S'il ne s'agissait pas d'un préfinancement, vous savez que devaient être les insultes contre le président de la République? Non, Jean-Marie, je pense que le rôle de l'IGF, ce n'est pas de qualifier les informations, ce n'est pas d'insulter les papas. Il dit, il se met dans son fauteuil pour dire, voilà, le gouverneur que vous voyez là, ce sont des voleurs. Le ministre est là, ce sont des voleurs. Ah, ok. C'est vous le saint. Et pourquoi, après avoir dénoncé, vous changez ce qui constitue comme des insultes? Donc, pour moi ici, oui, nous devons aussi attendre la version de Tony Mwamba. Que dit Tony Mwamba par rapport aux accusations? Aux accusations. Non, mais moi je n'ai pas entendu ça. Donc ça veut dire que, je vais terminer par là. Terminé. Que si le travail est bien fait, nous, journalistes consciencieux, nous allons appuyer le travail de l'IGF. Jean-Marie, on a organisé un plateau dans le passé, vous vous rappelez, j'avais pris la défense de l'IGF, je ne le connaissais pas. Et surtout, je dois vous avertir, que j'ai travaillé avec Alinguete, à la primature. Il a été avec... Bruno Tshibala, oui. Non, bien avant Bruno Tshibala. Il semble qu'il a même travaillé avec Matata, mais ce qui est plus sûr, il a travaillé avec Sami Badibanga. Mais il était notre conseiller technique et spécial en matière de climat des affaires. Moi, je le connais très bien. Moi, j'étais chargé de prendre les journalistes et de les ramener dans ce grand salon sur le climat des affaires. Je ne sais pas s'il s'en souvient. C'est un monsieur que je connais. Et aujourd'hui, il est devenu... Aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est. Non, pas les diables. Pas les diables. Ça veut dire que s'il ne change pas cette manière de travailler, ça va encore les tirer vers le bas. Son travail, c'est que c'est un flic financier. Un flic ne travaille pas en faisant de bruit. Vous travaillez, vous ramenez tous les documents, vous remettez à la justice. Si la justice ne fait pas son travail, c'est alors que nous pouvons dénoncer la justice. John Lungila. Mais le fait de qualifier John les Lungila. Infractions, d'insulter les gens, je pense que là, entre Transco, pas trop loin. Entre, et il finira peut-être mal. Merci bien. Entre Transco et l'IGF, IGF et le ministère de l'EPST, comment s'appelle la société? Gradeco. Qui dit vrai, qui dit faux? Merci beaucoup, Jean-Marie, pour votre question. Je pense que les dossiers dont il est question ici partent de l'inspection générale des finances. C'est un dossier qui ne part pas d'une maison de presse ou d'un journaliste qui a enquêté, qui a rendu public. Et donc, nous devons être conséquents quand nous tenons certains propos. Jusqu'au moment où nous parlons, parce que j'ai encore vérifié avant qu'on commence cette émission. L'IGF a eu l'autorisation d'enquêter, de contrôler le PST. Il est allé au Transco, il a fait le même travail. Il est allé chez Gradeco, c'était pareil. Mais je pense, normalement, il y a une étape importante que l'IGF a effacée dans la procédure. Effacée? Oui. C'est-à-dire... On ignore. Et c'est là où moi je trouve un peu bizarre ces comportements. Ça veut dire, généralement, quand on termine les rapports, on vous fait les rapports, vous faites une note d'observation auprès de la personne ou de l'institution incriminée. Voilà, nous avons effectué le contrôle de tant de jours chez vous sur la gestion des fonds pour le tournoi interscolaire. Vous nous avez présenté des documents. Nous, après vérification, il s'avère que ce sont des faux, ce sont des vrais. Par conséquent, nous avons décidé de déposer le dossier au parquet et consorts. Là, l'institution incriminée se met dans la peau de s'expliquer si c'est vrai ou pas. Mais vous allez constater jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs c'est là où moi je constate que le ministre a assez évolué comme un homme d'État. Parce que c'est un avocat, c'est un professeur, il ne peut pas accepter d'être vilipendé matin, midi, soir comme voleur. Pourquoi il dit rien? Jusque-là, il dit rien. Il dit rien pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit répondre à quoi? Jusqu'au moment où nous parlons. Mais aux fausses factures? On ne lui a pas fait les rapports. Tout s'est dit dans les réseaux sociaux, sur le plateau de télévision. Donc il n'a pas encore reçu jusque-là, Alinguete n'a pas encore déposé les rapports de ses contrôles à l'EPST.
L'EPST ne peut pas répondre comme ça. C'est sur base de quoi? L'EPST doit répondre. Voilà pourquoi jusque-là, la communication est un peu à sens unique. Et le débat s'est délocalisé parce qu'il y en a quand même qui ne sont pas bêtes, qui sont au courant du dossier et qui estiment que l'IGF n'a pas raison. Et j'en fais partie. Est-ce que vous pensez que quand le président Tshisekedi félicite et au grand jour le travail d'Alain Guétéi, c'est le seul, l'un des rares. D'ailleurs, il dit, les magistrats, je suis un tout petit peu déçu des magistrats parce que ce que je leur ai demandé, ce n'est pas ce qui est fait, sauf l'IGF. Il a tort, Tshisekedi. Le président a félicité aussi à l'époque Jeanine Mabunda. D'ailleurs, elle était épinglée nommément dans ses discours. Donc, c'est le président de la République. Donc, voilà, on doit vous dire notre président. Je ne vais pas entrer dans les secrets de Dieu pour savoir ce que ça voudrait dire. Mais je pense qu'Alain Guétéi est populiste. Populiste? Oui, d'ailleurs, c'est un grand diffamateur. Retiré grand diffamateur. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Il va se réveiller un matin et dire au Sénat, là-bas, il y a des voleurs qui sont allés chercher la protection. C'est une expression. Au gouvernement, il y a des billets qu'on sort. Sans vérifier, sans fuir, ce ne sont pas des décisions de la justice. Mais parce qu'il a des chiffres. Ce sont ses propos, Jean-Marie. Parce qu'il voit les dossiers qui sont mal gérés. La diffamation, c'est quoi? Séparation de pouvoir. La diffamation, c'est quoi? Ce sont ses propos. Quand il parle, il vous qualifie directement voleur, alors qu'il n'y a aucune décision de la justice qui fait de vous voleur. C'est un grand diffamateur, je suis désolé. Mais quand Joël Cadet ici autrefois disait, le FCC, lui avec notre ami qui va parler tantôt, les FCC, tous des voleurs, les prédateurs. On n'a jamais dit ça, Jean-Marie. Définissez les imputations dommageables au regard de l'article 74 du Code pénal, livre 2. Les imputations dommageables, c'est tout fait. Vous n'avez jamais dit. Précis. Ces gens-là, ils ont détruit le pays. Non, jamais. Non. Il y a des mots. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, Dieu nous a fait grâce. Mon ami et moi, on n'a pas encore été traînés. Pourquoi? Parce que nous savons quel mot placer à quel endroit. Et je vais terminer. Et je reste dans le droit. Et là, l'IGF est politique. Parce qu'on n'arrêtera jamais. On n'arrêtera jamais Fallou s'il dit Tshisekedi, c'est un. Qu'est-ce qu'il dit souvent? Il tient des propos durs. Hein? On se comprend que c'est un opposant, c'est un politicien. Il est en train de tenir ses propos dans le cadre de son travail. Il y a un politicien. Et moi, quand j'attends parler l'IGF, je n'apprends rien. Parce que c'est un technicien spécialiste du chiffre. Moi, je mérite. Et la peur du gendarme, ça ne vous fait rien. Mais quand il tient ses propos. La peur du gendarme. Quand il tient ses propos, oui. J'ai comme l'impression que c'est le président d'un parti ou c'est un politicien qui a des ambitions. Il est du côté du Congo. Et je constate qu'il y a eu beaucoup de légèreté dans son travail parce que ses enquêtes sont publicitaires. Publicitaires. Pourquoi on n'arrête pas maintenant? Sélectives, propagandistes. Et vous allez le constater dans ce qui s'est passé à l'UPST. Beaucoup d'intoxication. Et je vous dis, il a un laboratoire terrible qui produit la désinformation. Ils vont dire, il y a des collaborateurs du ministre qui sont arrêtés le même jour. Ce sont des informations qui avaient pour source les chefs. Le ministre a démissionné. Ce n'est pas n'importe quel média. C'est le média de Ya Innocent Olenga. Il est très proche à moi, il le sait. Oui. Les enfants d'Olivier m'ont appelé des États-Unis pour dire on a arrêté notre papa. Les enfants d'Eric, et pendant ce temps-là, Eric se rendait au Nigeria pendant que qu'il disait qu'il fouillait. Pendant ce moment-là, il se rendait. Mais déjà dans les médias, on a arrêté les collaborateurs du chef. Le ministre de l'EPST a démissionné. Il a promis. Et ce sont des grands journalistes. Pas n'importe qui. Mais s'il y a une information. Mais ce sont des mensonges. Ils ne doivent pas dire de donner cette information. Je les ai appelés tous pour leur donner l'information et leur passer Olivier qui était chez moi au moment où on le donnait pour être arrêté. Voilà pourquoi Izoubala dit la justice ne décide pas sur base des fake news ou de propos diffamatoires. Il faut les preuves matérielles. Quand ça arrive, c'est au niveau des médias, on ne peut pas refuser aux amis de travailler. Tout le monde peut dire ce qu'il peut dire. Mais au niveau de la justice, s'il n'y a rien, si les dossiers sont vides, on laisse partir de personnes incriminées par lui. Et il y a un travail même qui s'est fait doublement. D'abord, il y a des inspecteurs qui ont fait le boulot, qui ont terminé, qui ont fait les rapports. On prend le rapport, on n'envoie pas à l'EPST, mais on prend les fake news, on donne encore aux journalistes. Mais même quand vous parlez des Transco, qui ont parlé des Transco? C'est le travail de mon frère et ami que j'aime beaucoup, qui est allé faire ses enquêtes là-bas chez Transco.
et qui est sorti de chez Transco avec des informations qui incriminent le PST, mais il n'a pas pris le soin de se rendre à le PST pour vérifier. Mm-hmm. La question que vous me posez ici, c'est une orientation. Moi, je ne suis pas allé à la communication. Je ne suis pas allé chez Transco. Je ne me suis pas rendu chez Transco. Je préfère que vous puissiez poser cette question au confrère qui est allé chez Transco, qui a quitté Transco et qui a rendu public le rapport de son enquête sans poser la question à l'EPST. Merci. Et je termine, Jean-Marie, je termine oui. par là. Oui. Mais on venait d'apprendre ici que l'homme, le monsieur anticorrupteur, se met maintenant dans la peau de la corruption. Et j'apprends, je mets ça au conditionnel. Et j'avais même posé la question à M. Jules, qui nous explique cette somme de 10 000 dollars qui serait remise à une assistante oui, d'un magistrat. Ça, c'est un fake news. Non. Ils ont avoué. Non seulement la dame a avoué, moi j'ai parlé avec certains inspecteurs. Ils ont parlé d'une somme qui serait mise, comment on appelle ça, en gage. Qui est devenue où? Non, ben ils auraient pris ça quelque part. Ils ont mis ça là-bas. Ils ont engagé ça au parquet. Et la dame, la propre dame a avoué qu'elle était dans les installations de l'IGM. Mais on ne manipule pas plus de 10 000 dollars. Elle peut être là-bas pour autre chose. Jean-Marie, je ne comprends pas cette résistance. Qu'est-ce qui vous empêche de charger Jean-Marie, le problème n'est pas de charger. La parole est de l'autre. Le problème n'est pas de charger. Oui. Le problème est de savoir qu'est-ce qu'on fait comme travail. OK. Alors, la dame, si vous voulez les audios, je peux vous. On ne veut pas parler de la dame ici. Oui, ben. On parle d'abord. Oui, on ne cite pas son nom, question, ce qui est mieux, mais question, au moins, il y a eu des aveux autour de cette vidéo et autour de l'argent. 10 000 dollars. Charles Kinkanko. Sortir de l'IGF. La parole de l'autre côté. On apprendra des nouvelles. Hein. C'est pas manipulable. Hein. On apprendra des nouvelles. Est-ce que cette lutte contre la corruption initiée par le président Tshisekedi, qui est menée par l'IGF, qui commence à produire, et là, Kadel l'a dit tout à l'heure, de fruits, la peur du gendarme, les gouverneurs des provinces, les mandataires, etc. Est-ce que l'UDPS est dans cette dynamique d'encourager cela? Parce que les deux ministres UDPS qui sont épinglés à chaque fois, ils ne sont pas inquiétés, ça c'est de un et de deux. Qui soutient finalement Tshisekedi? Celui qui soutient Félix Tshisekedi, et je vous réponds directement, oui. C'est celui qui s'engage dans la lutte contre la corruption. Éteignez dehors. Je réponds à votre question. Celui qui soutient Félix Tshisekedi, c'est celui-là qui s'engage dans la lutte contre la corruption. Comme parce que cette lutte-là, c'est le cheval de bataille de Félix Tshisekedi. Comme à Linguette. Jean-Marie Kassamba, je peux vous dire que tout président d'ici ou d'ailleurs hostile à la corruption rêverait avoir son Alinguete. Tout président hostile à la corruption rêverait avoir quelqu'un comme Alinguete pour l'aider à atteindre ses objectifs. C'est ce que Alinguete est en train de faire aujourd'hui. Comment il est depuis la bête nord maintenant? S'il vous plaît. Oui. C'est ce que Alinguete est en train de faire aujourd'hui. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses que l'opinion, une certaine opinion, que certains Congolais reprochent au régime Tshisekedi. Mais s'il y a quelque chose de positif sur laquelle là où Tshisekedi ce régime peut quand même avoir quoi pavaser, c'est cette lutte contre la corruption qui a aujourd'hui un homme qui il a travaillé dans ce pays depuis des années, mais que les Congolais ne connaissaient pas. Alinguete. Mais c'est Alinguete. Parce que Joël Kadé l'a dit ici, depuis que la patrouille financière est lancée, aujourd'hui, on connaît dans beaucoup de régies financières des augmentations incroyables des recettes. Comme à la CNSS. On connaît des augmentations à la CNSS, incroyables des recettes. Et ça, la question de l'argent, ce sont des questions sur lesquelles les Congolais doivent se mettre un peu d'accord. Parce qu'on ne peut pas développer ce pays, construire des infrastructures, même payer les Congolais, assurer la gratuité de l'enseignement, construire des routes, tout ça, ou améliorer les sociales si on n'a pas de moyens.
pour faire décoller ce pays qui est considéré par d'aucuns comme un éléphant aux pieds d'argile. Il faut que l'on puisse mettre les curseurs sur l'accroissement des recettes publiques. Et Gilles Alinguette est en train de s'atteler à cela et ça produit des résultats. D'autres peuvent reprocher à Gilles Alinguette la méthodologie de communiquer beaucoup. Ils reprochent à Alinguette de communiquer. Donc, ils veulent confiner, populiste. Ils veulent confiner Alinguette dans un mutisme. Qu'ils ne disent absolument rien. Récemment, il venait d'être publié. Comme ça, les gens volent en silence. Tout simplement, les rapports au juge. On enterre le rapport. Si les juges peuvent faire tout ce que le président Tshisekedi a reproché autrefois, ils peuvent le faire. Mais qu'Alinguette ne parle pas. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, le fait que Alinguette rend public les conclusions des enquêtes menées par les inspecteurs généraux des finances là-bas, ça gêne les gens. Et les inspecteurs généraux des finances. Les gens sont ça contre gêne. Les mensonges ou non, ça, non, mais vous avez parlé, Edmond Izoba. La parole est de l'autre côté. Pourquoi vous avez de la Laissez quand vous parlez. C'est mon point de vue, laissez-moi développer. Donc le travail des inspecteurs gêne. Le travail des inspecteurs, la communication de Alinguette gêne beaucoup de personnes. Ça gêne beaucoup. Ça gêne. Les gens ne veulent pas qu'Alinguette parle. Ça gêne même la déontologie. Écoutez, les gens, vous allez parler. Vous avez le temps de parler. Bon, tout va venir. Allez-y, continuez. Les gens ne veulent pas qu'Alinguette rende public ses rapports, les conclusions de ses rapports. C'est tout simplement ça. Ils veulent que ça passe là-bas, en silence, auprès des juges. Que les juges on va traiter les juges, on va les gérer. Les juges, voilà, ce côté-là, peut-être ils peuvent gérer les juges. Oui. Alors, revenons ici, parce qu'on parle de cette question. L'EPST. Tony Mwamba, c'est un homme formidable, un professeur compétent, un homme qui a dénoncé beaucoup des choses du temps où Bakonga était ministre. Il a rendu public les résultats, les conclusions des enquêtes qu'il avait menées, des enseignants fictifs et autres. Et nous tous, on en voulait. Pourquoi se retrouve lui-même dans le même cas aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, est-ce que dans ce qui s'est passé, Tony Mwamba est impliqué personnellement? C'est une question. Ou c'est le ministère qui est impliqué? Parce que pour l'instant, à l'aune des faits qui sont en présence, je ne peux pas, âme de patriote, déclarer que Tony Mwamba a volé. Très bien. Ou a détourné. Je ne peux pas le dire. Laissez-moi d'abord parler, s'il vous plaît. Je ne peux pas déclarer que Tony Mwamba a volé 48 000 dollars, 120 000 dollars, 400 000 dollars. Je ne peux pas le dire. Continuez. Je ne peux pas le dire. Oui. Mais je peux me poser des questions. Est-ce que le ministère dans son ensemble, avec tout ce qui travaille, est-il innocent? Je parle bien du ministère. Oui. Parce qu'il y a des chiffres qui ne trompent pas. Les factures. Nous avons tous suivi des communiqués pondus par le ministère de l'EPST qui parlent des montants de 40 000 dollars comme étant les montants destinés au transport. Oui. Je crois 30 000 dollars. Oui. 30 000 dollars, je crois. 30 ou 40 000 dollars. Oui, problème peut-être de chiffres. Non, non, s'il vous plaît. Non, ne m'embrouillez pas. Ça varie selon qu'on est quel journaliste. Non, attendez. En fait. Nous avons Joël Cadet sur ce plateau. Oui. C'est lui qui a signé les communiqués du ministère de l'EPST. Et les communiqués, je peux les retrouver tout de suite là. Je peux les retrouver tout de suite là. Les chiffres avancés par Joël Cadet sur présent, c'était ça ne correspond pas à ce que Transco a donné. Alors, Transco pour les transports. 30 000 fois 2. Alors que Transco, de son côté, parle de 16 000 dollars. Oui. C'est clair. C'est pour ça qu'on pose la question, qui dit vrai? Israël Mutombo, ses confrères, vraiment, qui méritent beaucoup. Mais qui descend sur le terrain. Excellent confrère. Il mène des enquêtes, il s'est rendu sur place là-bas. Ah bon? Moi, je ne peux pas dire que c'est de la manipulation, parce que nous avons tous suivi la déclaration du DG de Transco. Qui reconnaît. Attendez.
Ne m'embrouillez pas. Il faut quand même protéger la profession. Ne signez pas. Les signataires. Il faut protéger la profession. Continuez. Il y a des mots ici. Vous n'allez pas me percevoir. Vous avez la parole. Ça, je peux vous le dire. Vous avez la parole. Alors, il est allé là-bas. Oui. Nous avons tout suivi. Ce n'est pas la déclaration d'Israël Mutombo. C'est le DG des transports qui a déclaré. 16 000. 16 000. 14 000 dollars avec des pénalités, 16 000 dollars. Oui, oui. Ça, c'est une source officielle. Alors, maintenant là, est-ce qu'on peut dire que Israël avait versé dans la manipulation? Est-ce qu'on peut dire que Israël était parmi ceux-là? Pouvez-vous livrer une information d'un seul côté? Attendez, nous sommes déontologiques quand même. Mais s'il vous plaît. Non, soyons déontologiques. Je suis journaliste. Vous allez parler. Sur le communiqué Kadé. J'ai parlé du communiqué signé par Joël Kadé. Qui parle de 60 000. J'ai suivi les déclarations de Joël Kadé. Oui. S'il vous plaît, je cite aussi un autre confrère. Parce que je suis. C'est ça les croisements. Les audios. C'est ça les croisements, non? Merci. Parce que vous êtes une source sûre, digne de foi. Vous êtes vraiment une source digne de foi. Oui. Vous avez donné des chiffres. 60 000. Et je ne pense pas que vous avez inventé ces chiffres-là. 60 000. C'est les chiffres, les communiqués officiels de la communication officielle du ministère. 60 000 contre 16 000. Voilà, contre 16 000. Ça pose problème, non? Croisement. Ça pose problème. Est-ce que. Les autres parlent de 13 000. Si Alinguete, non. Sur base de ça, il dit qu'il y a quelque chose, il y a malversation, de pourri, quelque chose qui ne va pas, je ne peux pas dire que c'est le fait de le dire, il en veut à Tony Mwamba. Merci beaucoup. Non, s'il vous plaît. Claude, je pense que vous avez vous chuté déjà. Parce que on a aussi évoqué ici la question des Gradeco. Oui. Vous avez suivi que cette société a porté plainte. Oui, oui. A porté plainte. Oui. Parce que selon la société, il y a falsification. Donc moi, je pense que ça fait deux cas quand même. Ça fait déjà deux. Ça, ce sont des faits clairs. La société ne reconnaît pas. La société dit que les factures ont été falsifiées et défère devant les cours et tribunaux les responsables du ministère de l'EPST. Mm. Donc, ne cherchons pas quand même à détruire. Ce qui reste comme le bilan de Tshisekedi, hein? Oui. Avec ce travail abattu par ce monsieur, ouvert de Alinguete bashing, commencer à dire que aujourd'hui Alinguete c'est celui-là qui travaille pour qui travaille, non s'il vous plaît, vous n'allez pas me perturber, soyez continuez, chutez. Donc dire aujourd'hui, oui. Réveiller les dossiers. Les dossiers de 16 millions de dollars qui, à mon humble avis, la déclaration de Alinguete, comme il l'avait dit, c'était un malentendu doublement entendu. Parce que Alinguete, qui voulait à ce qu'il y ait traçabilité sur l'argent à payer aux prestataires de Terrafep, il ne pouvait pas concevoir que autant d'argent sorte sans qu'il y ait des listes, sans qu'il y ait de traçabilité. Il voulait que ça puisse suivre les circuits bancaires. Oui. Mais la réalité sur terrain était que partout, là, ces gens-là ne sont pas tous dans les circuits bancaires. Qu'il fallait faire le Mabako Bank. Oui, oui. C'était ça, ces malentendus-là. Alors, les juristes ont donné un contenu juridique au mot tentative de détournement, alors que la compréhension sociologique, c'était pour Alinguete autre chose. Merci. Ça voulait dire autre chose. Merci. Donc, moi, je pense que Alinguete mérite d'être soutenu par les Congolais parce qu'il est en train d'aider le président Tshisekedi à lutter contre la corruption et assurer la mobilisation des recettes. Merci beaucoup. 20 minutes. Merci beaucoup. Non, la parole est ici avec Yannick Kaninda. Excusez-moi, je pose cette question aussi brute, d'une manière claire et directe. Quand on vient de dire que tout ce que Tshisekedi a comme bilan, c'est Alinguete. Là où c'est positif, que les Congolais peuvent dire, voici ce qu'il a pu faire, c'est cette peur du gendarme incarné par Alinguete aujourd'hui. Pourquoi c'est l'UDPS incarné par son ministre? Vous ne pouvez pas parler de l'UDPS parce qu'on n'a pas suivi les communiqués officiels de Augustin Kabila. Je parle de l'émanation. C'est lui qui engage aujourd'hui l'UDPS. Je parle de l'émanation. S'il y a un problème avec un ministre UDPS, on ne va pas généraliser ça à tous les partis politiques de l'UDPS. Parce qu'aujourd'hui, c'est Kabouya qui engage l'UDPS. Et jusque-là, il n'a pas signé. Il a parlé 20 minutes. Je l'ai dit autrement. J'allais parler de ça, j'avais oublié. Monsieur Guenit-Kadinda, comment expliquer que le ministre UDPS, qui devait normalement
encourager le travail de Alinguété. Les ministres issus de l'IDPS contestent, vilipendent, et Alinguété est devenu la bête noire parce que il est pour la bonne gouvernance. Merci Jean-Marie. Vous allez quand même noter que ce n'est pas facile de patienter pendant plus d'une heure. Vous avez la parole. Pour prendre la parole. Vous l'avez. Et on vous suit à la maison. Apparemment, ma patience me dessert. Parce que depuis que j'avais répondu à votre salutation. On vous suit. J'ai la parole, j'espère. Vous êtes plein dedans. J'ai la parole, j'espère. Oui. Depuis que j'avais salué les téléspectateurs. Vous avez déjà évoqué cette exception. Donc, je vous accorde allez, d'emblée 10 minutes. Allez-y. Je n'ai pas fini mon observation. Allez-y. Vous me coupez. Donc, depuis que j'avais salué les téléspectateurs, je n'ai plus repris la parole. Ne vous victimisez pas. Quand les amis ont commenté sur le sport et sur les autres sujets. Mais bon, voilà. On a quand même la parole. Je souligne d'abord que ce qu'on voit dans les réseaux sociaux concernant le voyage du chef de l'État au Maroc... Ce n'est que des spéculations des gens. Il ne va pas y aller. Parce que le président a parlé dans les vestiaires devant les joueurs. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Et lorsque le président émet ses voeux de pouvoir faire le déplacement avec les léopards, il reste maintenant au protocole, à tous les services habilités de la présidence de la République, la sécurité et tous les restes, de pouvoir s'assurer que ce voyage-là, il est faisable ou pas. Il y a la parole du président. Mais déjà, le fait pour lui de dire qu'il est aux côtés des léopards, il les soutient, il les encourageait à pouvoir aller de l'avant, l'équipe était prenable, il les a encouragés. C'est un acte à saluer pour le chef de l'État. Il va y c'est aller, très d'ailleurs. Important. Il va y aller ou pas? Moi, je voudrais bien qu'il y aille. Avec des supporters qu'il ou pas? Qu'il y aille avec les supporters. Avec quel avion? On parle de avec un avion, avec un avion. Ici au Congo, il y a des avions. Ici au Congo, vous ne me direz pas que... Mais les Marocains vous ont amené plein d'avions. Non, mais nous avons encore un Airbus. Lumumba est là. Mais on dit que Uber Airways est en faillite. Non, l'avion est là, ça fait des navettes. Un seul avion. Oui, ben on va transférer combien de supports. C'est le plus grand qu'on ait. Mais c'est que le Marocain nous... Le Marocain nous donne tellement chicoté que, en contrepartie, mardi, ça a été trop compliqué. Vous avez la parole. On ferme la parenthèse. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba. Les avions ne peuvent pas constituer un blocage pour le gouvernement parce que nous savons que si le gouvernement veut affréter un avion, le gouvernement peut le faire. Donc là, c'est un cadet de soucis. Mais déjà, cette volonté du président d'accompagner l'équipe, de soutenir l'équipe, je crois que c'est à encourager quand même. À toi, mardi, c'est après-demain. Oui, oui. Alors, maintenant, la question de l'IGF et de l'EPST, l'UDPS et l'IGF, c'est une question quand même complexe, parce que vous le savez, que l'inspection générale des finances... Ne soyez pas philosophique. Vous êtes un homme direct, c'est resté direct. C'est pas possible. Restez oui, direct. Beaucoup plein quand même. Non, non. Mais laissez-le quand même. Non, on laissez-le. Le mot complexe, là, devient philosophique. C'est pour ça que je dis, ne venez pas. Mais il doit s'exprimer dans ses propres mots. À vous. Merci Jean-Marie. J'espère que cette fois-ci, vous n'allez pas me couper. Vous n'allez pas me couper cette fois-ci, j'espère. À vous. Je l'espère bien. À vous. Donc, je disais que c'est une question complexe, mais à la fois simple. Pourquoi complexe? Parce que la lutte contre la corruption, la lutte contre les détournements de deniers publics, c'est une volonté ferme du président de la République. La gratuité de l'enseignement, c'est l'un des piliers fondamentaux de l'action du président de la République. Et par ce fait, nous considérons que le président de la République a un regard particulier sur ces deux actions, à la fois le contrôle qui s'est fait par l'IGF, mais aussi l'action menée par le ministre de l'EPST pour la réussite du programme de la gratuité de l'enseignement. Mais là où ça cloche, c'est lorsque c'est lui qui est chargé de contrôler et celui qui est contrôlé ne se mettent pas d'accord sur, un, la méthodologie, et deux, sur les contours
du contrôle qui se fait. Il faut d'abord souligner que le contrôle de l'IGF s'est fait a priori, s'est fait concomitamment et ça peut aussi se faire a posteriori. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, lorsque l'EPST mène des actions ou engage les frais, on a vu qu'avec l'organisation de ce championnat, on a donné à la fois 400 000 $ américains au ministère des Sports et on a remis 400 000 $ au ministère de l'EPST. De sport. Bon, là c'est ce que nous avons appris dans les médias, 400 000 $, 400 000 $. Et le ministère des Sports a justifié de ce côté-là. Il n'y a pas eu de soucis. Et pas l'esprit. Mais c'est au niveau de l'EPST. L'EPST qui ça a posé problème. Toutes les justifications ça et problème. Ça a posé problème. Oui. Alors, maintenant, moi je me dis, un peu comme Charles Lequin, c'est lui qui est mis en cause ici directement. Ce n'est pas forcément la personne de Tony Mwaba. C'est le ministère. Parce que la responsabilité de Tony Mwaba serait engagée. Lorsque lui-même utilise ses fonds et va directement en contact avec lui-même l'individu ou lui-même ministre. Je parle de l'individu ministre. Oui, mais quand on est ministre, on est responsable de ce que votre ministère engage. Mais les collaborateurs peuvent aussi commettre des faits. Mais maintenant, vous avez administrative, s'il vous plaît. Ça n'engage pas les ministres directement. S'il vous plaît. Oui. Vous avez des collaborateurs qui peuvent agir en votre nom. Mais si moi je dois m'arrêter au fait, à en croire le débat autour de ce plateau, donc Jules Alinguete qualifie les faits, mais il appartient à la justice de qualifier l'infraction. C'est ce que j'ai compris du débat ça, ici. Ça, c'est Kadé qui dit ça. Oh oui. Mais maintenant, c'est le droit. Lorsque vous allez dans les faits, je souligne quand même que Tony Mwaba a parlé, contrairement à ce que disait Edmond. Tony Mwaba a parlé. Parce que lorsque votre conseil en communication parle. C'est vous-même. Il ne parle pas au nom de sa famille. C'est validé. Il parle au nom du ministre. Le communiqué de Joël Kadé fait foi. Donc, ça fait foi. Moi, je considère le chiffre. Oui, il a déjà parlé. Par le conseil en communication. Je considère ce chiffre-là. 30 plus 30, c'est qui fait 60 000. Et en donc, c'est une source qui fait foi. Oui. C'est ce que nous avons appris en journalisme. Et maintenant, jusque-là, on n'avait que ce son de cloche-là qui parlait des 60 000, contrairement à ceux qui circulaient déjà dans les réseaux sociaux qui parlaient des 120 000. Dans les réseaux sociaux, on parlait des 120 000. C'est le communiqué du conseil en communication qui vient recadrer pour dire ce n'est pas 120 000, mais c'est plutôt 60 000. Et les fournisseurs. Et aussitôt après, le prestataire réagit par un journaliste pour dire moi, je n'ai pas perçu 60 000, ni 120 000. Ni 60 000. 16. J'ai perçu 16 000. Ça, c'est des faits. En tout cas, en tant que journaliste, lorsque je suis devant les faits comme ça, je me dis, OK, il y a une source sûre du côté de l'EPST qui parle des 60 000 et il y a une autre source sûre qui me parle de 16 000 du côté du prestataire. Là, il y a déjà un problème. Alors, comme il y a un problème, est-ce que ça va se résoudre au niveau de l'IGF? J'ai dit non. Mais la justice est saisie. Voilà. La justice est saisie. Donc, la question, il n'est point question ici que nous puissions nous agiter. Je crois que ce qui reste maintenant, ce que nous devons attendre, c'est que les chiffres qui ont été avancés par les EPST et les chiffres avancés par le prestataire, les prestataires, parce qu'il y a aussi Gradeco, que tous ces chiffres aillent en confrontation au niveau de la justice. Parce que je souligne qu'au niveau de la démarche, normalement, après que l'IGF ait fini ses enquêtes, le rapport doit subir une confrontation avec celui qui a engagé les frais de l'État ou l'argent de l'État. Je ne sais pas si cette étape a été respectée. Si ça n'a pas été respecté, maintenant il revient. Parce qu'au finish, le rapport de l'IGF va au président de la République ou à la présidence de la République, mais aussi pour des cas où il y a des faits avérés, ça va en justice. Je peux vous poser une question. Je vous en prie. Les FCC voleurs sont plus là. Vital Kamere n'est plus là. Bakonga n'est plus là. Matata n'est pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Comment expliquer que l'Union sacrée censé fonctionner dans une même direction avec le même leadership
est aujourd'hui gangréné que par des scandales de cette nature. Voilà, merci pour cette question intelligente, Jean-Marie. Mais il faut aussi noter, Jean-Marie Kassamba, que l'avancée que nous connaissons dans ce domaine aujourd'hui, c'est que, quand j'ai parlé du contrôle a priori, ça permet aux Congolais aujourd'hui d'être alertés du détournement. Donc avant même que le détournement n'ait eu lieu, il y a déjà l'alerte. Pourquoi ? Parce que l'IGF a justement cette mission-là. Avant que vous ne puissiez engager les frais de l'État, on vient, on regarde, est-ce que la procédure ne laisse pas une fenêtre au détournement ? Dès qu'il découvre ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est important ce que je veux dire. Vous allez me faire perdre des idées, s'il vous plaît. Je vais perdre le fil d'idées, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Notez comme moi quand j'étais en train de suivre les autres. Pas besoin. Donc, lorsque l'IGF constate que dans la chaîne de dépenses, il découvre déjà qu'il y a une manœuvre qui peut conduire au détournement, il sonne l'alerte. Et là, il empêche les détournements. Ce qui ne se faisait pas à l'époque du FCC ou de Joseph Kabila. Ça ne se faisait pas comme ça. Il n'y avait personne qui alertait. Ni l'IGF, ni la Cour des comptes. Mais aujourd'hui, au moins, ça se fait. Deuxième action de l'IGF, c'est au niveau du contrôle concomitant. C'est-à-dire, au même moment que vous engagez la dépense des deniers publics, il y a des inspecteurs qui viennent pour contrôler comment est-ce que vous engagez ces dépenses-là. Pour vous empêcher de tomber dans le piège du détournement. Et le troisième contrôle, c'est le contrôle a posteriori. Ça signifie que vous avez mené votre action, votre projet, vous l'avez fini. Et après, on vous demande, donnez-nous quand même, expliquez-nous comment vous avez géré un peu ce qui s'est passé avec le EPST, le championnat pour les enfants. Donc ça, c'est au moins ce qui ne se faisait pas à l'époque de Joseph Kabila, mais ça s'est fait aujourd'hui. Maintenant, l'Union sacrée, pourquoi aujourd'hui il y a ce tollé? Moi, j'appelle ça tollé, parce que quand vous avez, par exemple, l'alerte a priori, ça signifie que le détournement n'aura pas lieu. Parce que c'est une alerte a priori, ça signifie qu'on a sonné l'alerte avant que le détournement ne soit fait. Donc là, on ne peut pas voir le détournement. Alors maintenant, l'autre cri de l'IGF, c'est lorsque, pendant l'exécution, on sent qu'il y a tentative de détournement, il alerte. Ça ne va pas se faire. Mais l'autre cri maintenant, c'est lorsque vous avez déjà fini et il s'est fait malheureusement que vous avez même déjà détourné. Et là aussi, il crie. Je peux poser la question maintenant. Je vous en prie. Le 1000 dollars de Ndomba, c'est à l'Assemblée nationale. C'est budgétisé ou pas? Deuxième question. Toutes les opérations spéciales, les voyages, les fêtes, les anniversaires, qui demandent beaucoup de fonds, c'est contrôlé comment? Non, déjà que vous parlez de mon ami le député Adolphe... Il n'a jamais été démenti. Hein? Adolphe Ndomba. On annonce d'ailleurs que le ministre de l'économie, entre guillemets, s'est vérifié. Quelques députés respectent déjà parce qu'il a pris, enfin, il est appelé à aller se justifier là-bas sur des problèmes dans l'aviation congolaise, tout ce qui se passe avec la baisse des prix, le pays est bloqué avec les compagnies qui ne sont plus, n'ont plus de place, etc. Eh bien, il y a des députés qui respectent déjà, qui sont allés. Bon, on parlait Draguer, de l'IGF. Oui. On parlait de l'IGF. Je parle, 1000 dollars. C'est tentative ou cette corruption d'une manière un peu récurrente, des opérations spéciales qui nécessitent beaucoup de fonds, Dubaï, des millions, je ne sais pas combien, tout ceci est contrôlé comment? Est-ce que l'IGF a droit aussi de contrôler ça? Je peux donner ma réponse. Vous avez la parole. Merci. Je pense que nous ne devons pas confondre la gestion des fonds qui émargent des institutions qui ont une certaine autonomie financière dans l'exécution, avec les autres projets ou programmes de l'État congolais. Nous ne devons pas confondre. Parce que lorsque... Lutte contre la corruption, c'est ça la thématique. S'il vous plaît. Lorsque vous prenez des fonds, vous mettez à la disposition de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale gère ces fonds, ils ont des lignes
de leur propre budget qu'ils exécutent. J'aimerais vraiment que le député Ados Ndombassi puisse nous donner beaucoup plus de preuves de ces allégations. Comme il s'est décidé de travailler, de dénoncer dans les médias. Je pense qu'il doit aller jusqu'au bout de sa logique pour brandir toutes les preuves de ces allégations. Mais normalement, je pense, à mon sens, que le député national devrait dénoncer devant, je reçois devant les membres de l'Assemblée nationale. Devant la, nous, on connaît quelles sont les méthodes du député national Nembalemba. On connaît. Lui-même l'a dit sur un plateau. Il a dit dans un plateau que lui, quand il donne ses chiffres, c'est une plaisanterie, c'est pour amuser la galerie. Il ne faut pas croire en lui. C'est lui-même qui dit ça. Quand vous le recevrez, j'espère que vous ferez attention à tout ce qu'il dira. Mais pour terminer, Jean-Marie Kassamba, pour terminer, je pense ici que nous devons encourager ce que fait l'IGF. Nous devons encourager. Joël Kadé l'a vilipendé, ils sont en train de rouspéter encore. Je ne suis pas dans cette logique-là. Je dis nous devons l'encourager parce que nous sommes dans un contexte, les protéger, les soutenir. Que nous sommes dans un contexte où la Cour des comptes n'a pas ces magistrats qui doivent travailler normalement. Il y a beaucoup de magistrats à la Cour des comptes. Pour permettre, il y a des magistrats qui attendent. Des vrais magistrats. Ils n'ont pas encore prêté serment. Ils n'ont pas encore prêté serment. Mais ça la faute n'est pas leur faute. Nous sommes dans ce contexte-là où les magistrats de la Cour des comptes n'ont pas encore prêté serment. Donc, ils ne peuvent pas exercer ce travail de contrôle normalement. Mais maintenant, la deuxième chose, c'est que nous sommes dans un contexte aussi où les Congolais pensent que ce qui n'est pas dit n'est pas fait. Du coup, est-ce qu'il faut que Jules Alinguette communique ou pas? Moi, je pense que Jules Alinguette doit communiquer. Et plus. Et même plus, il doit communiquer parce que ça a un effet de dissuasion. Exactement. C'est très important, ça a un effet de dissuasion. Mais aussi, en même temps, j'ai dit que monsieur l'inspecteur en chef doit aussi revoir les méthodes. Parce qu'il ne faudrait pas. Nous sommes dans un état. La diffamation. Voilà, nous sommes dans un état de droit. Il faudrait que la loi soit respectée dans la méthodologie et dans la stratégie. Parce qu'il ne faut pas. Autant on veut servir le président de la République, autant on doit respecter aussi la loi pour ne pas tomber dans des pièges. On a réparé. Oui. S'il vous plaît. Moi je voulais dire une chose parce que. Laquelle? Vous m'avez. N'attaquez pas. Vous m'avez accusé de vouloir faire descendre Jules Alinguette. Oui, vous avez dit Jules Alinguette, il vous a déçu. Vous avez dit qu'il vous a déçu. Oui, il m'a primature à maintenant, il vous a déçu. Non, quand je dis Alinguette m'a déçu, parce que je pensais que Alinguette pouvait changer après plusieurs reproches. Mais il a dit ici. Alors les missions confiées à Alinguette, ce sont des missions, je dirais, fondamentales pour orienter le recette vers les trésors publics. Oui, alors. Je vais vous dire une chose. Ça, j'ai découvert ça après. À chaque fois que Alinguette écrit au voleur et que l'argent n'est pas senti, lui prend l'argent, il le reverse au trésor, il a 10% de cet argent. Comment lui? On appelle ça rétrocession. Lui qui? Alinguette. Il trouve cet argent où? La rétrocession, ça veut dire, par exemple, pour le cas de... Il y a eu plusieurs cas comme ça où l'argent devait aller dans une ligne quelconque. Oui. Il empêche l'argent. Alinguette dit qu'il y a des soupçons de détournement. Le fait pour lui de prendre cet argent et de retourner ça au trésor public, c'est la loi. Il a 10% de rétrocession, c'est la loi. Je l'envie pas. C'est la loi. Et c'est son travail. C'est la loi. Et c'est son travail. Oui. Je suis d'accord avec ça. Alors, quand on dit qu'il y a eu la manipulation de plus de 10 000 dollars dans ses locaux, moi, quand j'ai enquêté, Jean-Marie. Vous avez enquêté? Jean-Marie, j'ai enquêté. La dame a dit la vérité. J'ai enquêté, on parlait d'une conciliation. Voilà les termes même venus. On parlait d'une consignation. Vous pouvez enquêter. On dit aujourd'hui, on reproche à Alinguette. Parce qu'il doit prendre ça en considération. Parce que nous voulons à ce qu'il change. Nous voulons à ce qu'il change. Non, pas qu'il allaite. Pas qu'il arrête. Qu'il arrête d'envoyer les abus dans le langage. Certains propos. Si quelqu'un a volé, il reste volé. J'ai dit encore un peu ce que Kanida a dit. J'ai beaucoup apprécié son intervention.
Nous sommes en démocratie, nous devons savoir les limites. Et lui, comme inspecteur, chef des services, il devrait aussi savoir ses limites. C'est un intellectuel, il maîtrise beaucoup de choses, il sait que tel qu'il est là, il ne peut pas qualifier les infractions. Nous avons comme l'impression, ça je le répète encore, que quand le dossier est envoyé auprès de la justice, le monsieur doit définitivement être condamné parce que la presse l'a déjà condamné. Non, c'est pas à lui de condamner. S'il vous plaît, non, Jean-Marie, vous ne comprenez pas cette communication orientée de Jules Alinguete. Voilà, ça abrutit les gens. Ça ne vous donne même pas le courage d'aller sur terrain pour faire les contre-analyses. Il a accusé Jules Alinguete. Moi, j'ai lu ce rapport. Les Chinois, les Grecs 7, en train d'utiliser des techniques rudimentaires. Dans le cas du projet Tulégène. Ne vous répétez pas. Vous avez vu la colère de Craig Sett. Ne vous répétez qui pas. Qui a même porté plainte contre Jeune Afrique. Parce que là, le travail que nous reprochons à certains confrères, et effectivement, Jeune Afrique est en train de se verser dans ça. On prend seulement les avis de Jules Alinguete. On le publie. Sans prendre les avis contraires. Donc, il y a cette manière de faire les choses de Jules qui doit vraiment être... Merci beaucoup. Deuxième chose, j'ai fini par là. Oui. On dit à Jules Alinguete qu'il y a des enquêtes orientées et sélectionnées, sélectives. Non, ces inspecteurs s'il vous plaît, partout. Jean-Marie, s'il ils vous sont plaît. Partout. S'il vous plaît. Oui. Laissez-moi quand même parler. Vous avez la parole pour conclure, chutez. On dit qu'il y a des enquêtes sélectives. Quand tu es dans son bloc, il est même capable de vous plébisciter comme bloc? Meilleur ministre. C'est quoi son bloc? Mais il venait de plébisciter un avant ministre. Avant c'était, vous dites... Il venait de plébisciter un ministre, s'il vous plaît. Mais non, c'est lui Jean-Marie, de qui commence à l'attaquer. Je ne savais pas que dans l'IGF, il y avait une équipe de sondage. Il venait de plébisciter un ministre comme meilleur ministre de tout le gouvernement. Lequel? Je n'ose lesquels? Pas citer le nom de ce ministre. Le ministre des Sports. Mais entrez là-bas dans l'IGF, vous allez voir Alinguete en train de plébisciter les meilleurs ministres. C'est de son choix. Peut-être qu'il est libre aussi de le faire. C'est parmi ses missions si que le chef de l'État lui a confiées. Deuxième chose, pourquoi seulement quand il s'agit de l'EPST, ça doit bouillonner partout et tout ça. Il n'y a pas d'acharnement. Ce qui est là, ce qui est la caricature, c'est quoi? Oui. La caricature, c'est quoi? C'est que un dossier qu'il connaît bien, qu'il venait d'enquêter, qui est même sur sa table, les inspecteurs ont déjà tout laissé là-bas, c'est les dossiers de OCPT. Là, on ne touche pas et on ne dénonce rien. Non. Un dossier qui est... Votre commentaire est orienté. S'il vous plaît. Non. Votre commentaire est orienté. Jean-Marie. N'atterrissez pas sur les histoires de famille. Jean-Marie, je vous dis ça. Oui. Je vous dis ça parce que ce sont ces choses qui méritent d'être dites. Et quand il s'agit d'un dossier, et j'apprends ici, je ne savais pas que les dossiers d'enquête n'étaient pas encore envoyés au ministère de l'EPST. Et ça, moi, je suis désolé. On va suivre. Je suis désolé qu'on ait spéculé. Et puis, on organise même une émission pour des enquêtes non déposées à l'EPST. Joël Cadet. Mais ça, c'est une gravité. Je sais que vous avez quelque chose à dire. Le communiqué Cadet des 60 000. Non, vous avez la parole. Le communiqué Cadet des 60 000 contre les 16 000 du patron de Transco. Vous savez. Qui dit vrai? Cadet ou Transco? Par rapport à ça. Oui. Vous savez, vous pouvez dire ça, les confusions, c'est Jules Alinguete qui sort le premier, vendredi. L'enquête n'est pas encore finie. Vendredi 16, l'enquête n'est pas finie. Je crois, les 18. L'enquête n'est pas finie parce qu'il avait les comptables et deux conseils du ministre dans son cabinet. Directement, il saute dans les médias pour dire, il y a tentative, bon, on a détourné près de 400 000 dollars. Pour quelles raisons? Parce que lui-même n'avait même pas encore les dossiers par devant lui. Scandale. Lui-même, l'inspecteur, l'inspecteur Kwang, qui avait les dossiers à main, ne lui avait pas, à lui-même, le chef de service, il ne lui avait pas encore transmis les dossiers. Et le dossier n'est pas encore envoyé jusqu'à ce jour ici, à l'EPST pour les... Moi, je parle de communiqué cadet et la réponse Jean-Marie, de Transco. Jean-Marie, arrêtez de cloisonner les gens dans... Non, est-ce mais... Est-ce que vous pensez avoir comme réponse? C'est ma question. Moi, je vous dis ceci. Oui. Pendant qu'il a sauté dans les médias là, oui. Je connais la voix des confrères. Oui. Je vous dis que les comptables et quelques conseils étaient encore dans son bureau.
Pour quelle raison? Parce que vous refusez la thèse de l'acharnement. Et le communiqué que j'ai fait, c'est en réponse à ce qu'il a dit, parce que les chiffres par lui avancés ne sont pas vrais. Vous pouvez mener votre propre enquête. 60 contre 16. S'il vous plaît, j'ai dit ceci. Mm. Vous êtes journaliste, allez-y là-bas. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas ces chiffres-là. Les chiffres sont venus des médias. La position qui a été donnée au niveau du cabinet, il est officiel. C'est vous dire que les chiffres par Jules Alinguette a avancé, ce sont des chiffres exagérés dans l'intention de nuire. Mais écoutez autre chose. Moi, je n'aimerais pas un peu qu'on tombe dans le sensationnel hein, sur ce plateau, comme je vois mon ami Kankou vouloir nous amener sur ce terrain-là. Mais il dit vrai. Il y a des étudiants qui nous suivent. Il y a des étudiants qui nous suivent. Un inspecteur général des finances ou un inspecteur général des finances ou n'importe quel inspecteur, c'est les bras du ministère public. Il y a des étudiants qui nous suivent. Et les bras, la mission de l'inspecteur ou des policiers que nous croisons en route ici, leur mission, c'est la recherche des infractions. Et quand ils vont chercher les infractions... Discrètement. Discrètement. Non, attendez. Et ils présentent les faits. Il appartient au magistrat de qualifier ou de disqualifier ces faits avant de les présenter au juge. C'est pour cela que le code pénal a été écrit, il a été codifié. Le code pénal, on ne vient pas comme ça sur base des sentiments. C'est ce qu'on vous dit en procédure pénale, que l'instruction préjuridictionnelle est secrète, inquisitoire et non contradictoire. Pour quelle raison elle est secrète? Parce qu'il y a le principe de présomption d'innocence. Qu'on sorte demain après demain, qu'on dise non, Jean-Marie Kassamba a violé une fille de sa chaîne. Alors ça se répand. Et l'affaire arrive chez les juges, on trouve que non, c'était un piège. Qui va rétablir l'opprobre jeté sur Kassamba? Qui va rétablir, qui va réparer? C'est pourquoi, en termes de diffamation ou d'imputation dommageable, le juge, le législateur, a prévu la réparation du préjudice. Pourquoi? Parce que le préjudice que vous avez subi est tellement lourd qu'il faudrait qu'on vous rétablisse. Mais vous avez déjà traité Batouana de Mihibi. Qui va le rétablir? C'est ce que je vous dis pour cette question ici. Cette question ici, Jules Alinguette aurait dû déposer son rapport à l'EPST. L'EPST fait les observations, après lesquelles on transmet le dossier au parquet. Mais si vous n'avez même pas encore terminé l'enquête... Quand Kankou dit, et on va terminer, le travail d'Alinguette aujourd'hui permet à ce que la peur du gendarme... C'est moi qui l'ai dit le premier, sur ce plateau. Oui, mais lui dit, ce monsieur, il faut le protéger, il faut même amplifier ce qu'il fait comme travail. Et d'ailleurs, c'est l'un des domaines dans lesquels Tshisekedi peut se taper du bout de... Je savais que vous alliez vous accrocher à ce qu'il a dit. Pourquoi? Mais je vous dis que dans ce pays, il y a la gratuité de l'enseignement primaire qui est une réalité. Mmh. Dans ce pays, il y a le salaire de l'enseignant qui a été augmenté. Mmh. Dans ce pays ici, il y a eu des gens qui ont été jugés, condamnés, qui sont en prison... Non pas à cause de son travail, mais à cause des enquêtes des autres magistrats. Donc on ne peut pas jeter. Pourquoi tous les dossiers que Jules amène en justice? Vous êtes un grand journaliste dans ce pays. Vous avez un carnet d'adresses. Appelez le président Kalouba. Qu'il vous mette sur les traces des juges. On va vous dire pourquoi la plupart des dossiers que M. Jules Alinguette amène ne connaissent pas l'aboutissement. C'est parce que les dossiers sont mal ficelés. Donc vous êtes en train de mettre en cause tous ces inspecteurs qui travaillent à l'IGF. Mais moi je vous dis qu'avant que l'enquête... Ces bons inspecteurs intelligents qui ont d'ailleurs exceptionnellement beaucoup de moyens matériels, ils ont des ordinateurs, ils sont dans des bureaux climatisés, ils ont même des véhicules, ils font sur le terrain. Savez-vous qu'il y a beaucoup d'inspecteurs avec qui il n'est pas d'accord? Ça je vous donne l'information. Parce que non, mais je vous dis, c'est par respect à la hiérarchie. On n'a jamais. Je vous dis, c'est par rapport à la hiérarchie. Je vous dis qu'il y a beaucoup d'inspecteurs. Les sérieux de travail à l'IGF, il n'y en a pas beaucoup dans beaucoup de juges. Je vous dis qu'il y a beaucoup d'inspecteurs sérieux. Vous savez, aujourd'hui, on a toujours loué, jeté les fleurs sur notre patriote que j'admire beaucoup, le docteur Mukwege. Mais est-ce que vous savez que c'est toute une équipe et qu'on ne parle d'aucun médecin qui l'entoure? Mais je crois qu'il faudrait. Ici, vous êtes Télé 50 patron. En quoi Jules vous gêne aujourd'hui? Non, moi, il ne me gêne en rien. Moi, par contre, son travail, je l'ai accompagné. Mais je ne suis pas content que l'on viole la procédure. La procédure veut que quand vous avez terminé une enquête, vous l'envoyez à l'incriminé, l'incriminé vous fait les observations. Et jusqu'à preuve du contraire, l'instruction étant secrète, préjuridictionnelle étant secrète, vous devriez attendre que vous voyez les magistrats faire leur travail. Mais maintenant, vous avez alerté, le discrédit est déjà jeté sur le genre. On arrive en justice comme l'ancienne DG de la RVA.
et puis il est disculpé, et qu'est-ce que l'on va voir de mauvais? On va trouver que ce sont les magistrats qui sont mauvais. Or, les magistrats vous disent qu'ils suivent une procédure, qu'il y a la loi. On va confronter les faits au droit. Et oui, c'est lorsqu'on confronte les faits au droit qu'on doit déterminer le degré de responsabilité ou de culpabilité ou d'innocence des quelqu'un. Mais malheureusement, ici, c'est du populisme, de la propagande, malheureusement. Retirez la propagande. Non, c'est la propagande. John Lungila pour terminer. Je ne retire pas. Jean-Marie, vous avez constaté qu'il y a une confusion, même autour de cette table. Quelle confusion? Et qui appelle à une mise au point, Johnny l'a dit, et même Charles Lequin, qui ont dit, ce n'est pas Tony... C'est peut-être à l'EPSTES. Déjà, il y a un problème. Et cette confusion est entretenue par qui? Mais c'est à cause d'Alinghetti. Si vous êtes aujourd'hui dans l'obligation... Il n'y a pas de mauvaises troupes. Si vous êtes dans l'obligation de dire que ce n'est pas Tony... Il y a mauvais, on parle de l'infraction des enfants. On est en droit pénal. Vous savez, Jean-Marie, il est très fort. Il s'est demandé pardon. Il s'est excusé. Adèle Kaïnda, et heureusement pour elle, avait pris le devoir de le filmer. Laissez-moi, s'il vous plaît, Jean-Marie. De le filmer en train de présenter les excuses. Moi, j'ai suivi cette vidéo-là. Mais vous présentez des excuses après avoir diffamé. Même chez Tony, il a demandé pardon pour le dossier 16 millions de dollars. Il avait demandé pardon. Malentendu. Vous parlez avec lui pour... Malentendu. Ça veut dire pourquoi qualifier des gens de voleurs? Et puis, pour revenir plus tard, présenter des excuses, ce n'est pas sérieux. C'est pourquoi moi, je ne suis pas contre lui, mais je ne sais plus croire directement aux propos tenus par Alinghetti. Parce que même aujourd'hui, parce que même mon frère m'a dit, voilà, vous êtes contre. Non, non. Les dossiers 12 millions de dollars de rétrocommission avec Acacia, ministre de l'économie ancienne. Oui. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Il avait fait autant de bruit autour de ça. On n'en parle pas. On a soulevé les dossiers de l'OCPT ici. C'est 580 000 dollars et plus de 800 millions de francs congolais. Portés disparus. Il a les rapports. Et chez lui, ce n'est pas le paradis, Jean-Marie. Il n'est pas irréprochable. Ce n'est pas un dieu. Chez lui, quoi. Ce n'est pas un lui, dieu. Il ne fait que le parce travail que d'inspection. Quand on fait des observations à l'IGF, quand on rappelle à l'IGF ses erreurs, on est en face d'une artillerie médiatique payée par lui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un dieu. J'ai des documents. Du rapport. C'est pas le mot. J'ai les documents du rapport de contrôle effectué ici à l'OCPT. Oui. Effectué par les inspecteurs de l'IGF. Moi, je ne travaille pas là-bas. Mais comment je l'ai obtenu? Par les inspecteurs qui y travaillent, qui ne sont pas d'accord aussi avec lui. Là, vous parlez comme Kadé, là. Et puis. Vous parlez comme Kadé. C'est quand même ridicule. Tu veux régler des c'est quand même ridicule oui. De dire d'un ministre qu'il a détourné l'argent destiné à louer des bus. C'est quand même ridicule. Oui, mais entre nous, soit dit, c'est quand même ridicule. Un vol reste un vol. Hein. Il vous a dit oui, c'est combien d'argent c'est quand même et ridicule. Bus, c'est combien par jour? Et je termine par là. Vous savez, à un moment donné, il nous a fait croire que le paiement par Maboko Bank était égal au détournement. Comme si par voie bancaire, il n'y a pas de détournement. Mais je prends l'exemple hier, Noliopage. Pour chaque joueur, il y avait 20 000 dollars. Faites les calculs par 25, vous avez les chiffres. Mais c'est qu'il ne veut pas. Y compris l'équipe technique. Parce qu'on est mal organisé. Mais parce que, et les comités de recherche, c'est qu'il ne veut pas. Mais Jean-Marie, si je peux terminer. Oui. Vous allez demander à ces joueurs-là, dont la plupart habitent l'Europe, d'ouvrir des comptes bancaires pour avoir leur argent. Ça va créer des problèmes, ça va poser problème. Donc, il y a des circonstances. Et même pour le tournoi dont il est question, vous savez ce qu'on a fait pour recruter ces élèves-là venus jouer? Vous savez ce qu'on a fait pour entretenir les uns et les autres? Aujourd'hui, le pays a gardé la coupe. Des commissions. A gardé la coupe. Mais c'est là où moi je dis... Les structures chiffrées. C'est là où moi je dis... La traçabilité, dit-il. C'est là où moi je constate. Je sais, Jean-Marie. Alinghetti, je termine par là. Vous avez parlé pendant 20 minutes. Oui. Alinghetti ne pardonnera jamais à Tony Mwamba. De quoi? Qui, à l'époque... avait dénoncé cette histoire de Veridos, les coups d'appel reçus pour laisser passer les dossiers. Je sais que tout ça, Alinghetti ne pardonnera jamais à Tony Mwamba jusqu'à la fin. Et il ne jure que sur sa tête. Merci beaucoup. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé de voir Ezuba dire que Gilles Alinghetti n'a pas produit des résultats parce qu'il occasionne des retours des fonds publics dans les trésors publics.
Je suis vraiment désolé. Non, il dit qu'il s'est fait payer. Non, mais quand vous Il dit qu'il s'est fait payer. Laissez-moi parler. Il s'est fait payer par une rétrocession qui est d'ailleurs illégale. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Sauf que c'est beaucoup pour lui. Il vous a déçu depuis qu'il était avec Badi Banga jusqu'aujourd'hui. Gilles Alenguete ne vous a fait que vous décevoir. C'est ce que vous avez dit. Alors, ici. Non. Ah bon? Oui, mais finissez. Donc, moi, je pense que s'il y a quelqu'un, s'il y a deux ou trois personnes qui ont les honneurs dans ce régime de Tshisekedi, c'est le bilan. Alenguete est parmi. C'est pas le premier. C'est le bilan de Fatih. Merci. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il est venu. Je sais que certaines personnes peuvent se sentir vexées suite aux envolées oratoires de Gilles Alenguete d'avoir traité, par exemple, les Sénans des voleurs parce qu'il y avait un problème de réfection, de surfacturation de la réfection du Sénat, 3 millions de dollars, alors que les rapports, les enquêtes avaient démontré que ce n'était pas 3 millions de dollars. Les gens s'étaient sentis vexés suite à ces propos-là. Moi, je me dis que Alenguete aujourd'hui, on ne peut pas. Alors, on ne peut pas dire que ce que Alenguete est en train de faire, c'est contre Tony Mwaba. Je refuse cela. Le travail de l'IGF aujourd'hui, c'est contre la CENI. La CENI rend le résultat provisoire. Il publie les résultats provisoires. La Cour constitutionnelle. Mais le résultat définitif, c'est la Cour constitutionnelle. Merci. L'IGF fera un rapport. Concluez, monsieur. Les magistrats se sont doivent établir la vérité. J'emprunte deux minutes. On se verra la prochaine. Aujourd'hui, merci. Dès le président Tshisekedi, qu'on mobilise les fonds pour financer le développement des pays. Monsieur Kanyinda, vous avez beaucoup de temps. Calmez-vous. Concluez, monsieur Kanyinda. Concluez. Non, dans ma conclusion, je dis juste que l'état de droit veut qu'il y ait des gens qui gèrent les fonds de l'État et qu'il y en ait aussi qui contrôlent ceux qui gèrent les fonds reçus de l'État congolais. Et pour le cas d'espèce, c'est l'inspection générale des finances qu'il ne faut pas confondre avec Gilles Alenguete. Gilles Alenguete n'est que chef de service. Demain ou après-demain, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Et qui fera le même travail. Nous avons besoin de cette institution-là, IGF, nous en avons besoin. Mais il faut que ceux qui nous gouvernent, ceux qui gèrent, apprennent la redevabilité, c'est-à-dire que quand vous gérez les fonds de l'État, vous devez savoir qu'il y aura quelqu'un qui pourra passer pour contrôler. Donc quand vous envoyez quelqu'un acheter de l'eau, sachez que c'est l'argent de l'État qui est sorti. Et vous devez être en mesure de réunir les justificatifs et de prouver. C'est très bien. Faire les contrôles même pour des bus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pas que l'IGF alerte. Ce qui peut être dit aujourd'hui. Je soutiens que l'IGF puisse alerter, communiquer pour décourager les détourneurs de fonds. Et d'ailleurs, l'IGF comparé à la CENI. Merci beaucoup. Oui, mais il publie les conclusions. Le résultat provisoire. Il faut lire les statuts. Il faut lire les statuts d'inspection générale. C'est la justice qui va lire d'abord les statuts, puis on viendra débattre. Monsieur, merci beaucoup. Ce qui est sûr, Alenguete, en tout cas pour le moment, à notre soutien. Vous devez traquer tout le monde, IDP s'y compris. Tous ceux qui sont en train de voler l'argent de la République. Je ne savais pas. Le ministère allait finir comme ça. Traquer. C'est ça le patriotisme. À très bientôt. Avec le même plaisir.